bonsoir. Boulouf. Sinon, comment ça se passe la vie de policier? Ben, écoute, c'est pas tous les jours facile, hein. Je vais pas te mentir, on est... T'as vu, quand tu parles de ton boulot, tu bégayes pas, c'est cool, c'est que t'aimes ce que tu fais. Oui, c'est... Moi, je suis LS PPD de cœur, hein. Ah, ça se voit. Et t'as quel âge, rappelle-moi? J'ai 20. J'ai 21 ans. Ah, c'est jeune. Oui, je suis déjà officier, hein. Monsieur, là, c'est votre cadet. Oui, c'est un ancien GGGG général. Un ancien général. Oui, ancien. Il est où votre super formateur, là, celui qui parle beaucoup, là, qui gueule tout le temps, là? Ah, sergent d'enclume. Ouais, je crois, celui qui a plein de boutons sur la gueule. C'est de l'eczéma. Monsieur l'enclume? Ah, c'est l'eczéma. Oui. Ah, c'est l'enclume. Non, c'est du psoriasis. Et oui, parce que. Ah, il est où? Il est pas là? Non. Bah non, il est pas là. Je crois pas. Il est jamais là. Bah, il travaille beaucoup, ah, hein, docteur, vous savez. Je m'en fous, comment vous allez bien aujourd'hui? C'est pas docteur, je m'en fous, c'est docteur Chuchard. Bah, si, à chaque fois que je lui parle, il dit je m'en fous. Ah bon? Moi, il me dit jamais je m'en fous. Hein. Ah oui, non, mais vous, non. Ah, merci. C'est le charme de l'image, je pense. Pourtant, j'étais correct de moi. Ah oui, oui. Non, mais c'est parce que vous êtes un gars garçon. Et que moi, je suis une fille. Non, c'est pas ça. Ah bon? Non. Ah, c'est parce que vous êtes cacadé, moi je suis officier alors. Non, c'est pas ça aussi. Ah, non, c'est juste que je m'en fous de lui. Ah bah voilà. C'est parce qu'on s'en fout de vous. Oh, c'est pas très gentil ça. Au moins il est honnête. Bah je m'en fous. Oui. Je vais l'emmener au poste, hein. Pas parce qu'il s'en fout, tout simplement. Ah oui. Ah bon, on met pas quelqu'un au poste parce qu'on s'en fout en fait, c'est cadet, vous. Par contre, si tu lui mets un coup de taser, moi j'ai rien vu. Hein. Moi c'est un petit... Je vois par contre la fesse. Ah merde. Non mais... Oui, non, d'accord. Mais pour l'instant, vous le respectez. Oui. Officier Potala... Ah, j'ai jamais... Tripotin. Oui. Bobby. Bobby Tripotin. Et lui, il se moque de ce que je viens. Vous ne défendez même pas. C'est pas bon ça. Non, mais si, je vous défends. Je dis juste que... On peut pas mettre quelqu'un en cellule ou au poste. Officier, juste Agathe, on enquête dans les derrière la pizzeria, là où les suspects se sont enfuis. Bon, il faut quoi, Agathe, là? Elle arrive. Ah, coucou. Coucou, la caméra. Attends, je vais snapper. Ah, d'accord, ok. Mets-toi un peu plus à droite, je vais prendre ton collègue avec. Ah, oh, putain, on m'appelle, bordel de merde. Attendez, ben, on peut lancer un live Instakick. Non mais attendez, parce que non là on peut pas faire de live, non, on va se faire taper sur les doigts, on va se faire taper, oui, non, on est en mission incognito là, hein. Ah. Dis-moi Tripotin, un jour tu me laisseras tirer avec ton pistolet? Ah non. Genre on va dans le désert, tu me laisses tirer deux fois et après je serai. Oui mais toi vous l'essayez. Toi tu veux que je perde mon travail en fait? Non, d'accord, alors attends, je vais te poser la même question. Dis-moi la fesse, un jour tu me laisseras opérer quelqu'un? Oui, si tu veux, un clochard. Oh, ah oui? T'es chirurgien depuis quand? Loulou, attention la fesse, hein. J'ai pas dit que j'étais chirurgien. Bon, j'ai dit qu'on peut s'arranger. La fesse? Elle va opérer qui alors? Je sais pas, on trouvera bien un cobaye. Un cobaye, d'accord, un cobaye, on part du principe qu'il est vivant. Pourquoi on opère les cocoboys et pas... Après, tu compares une vie humaine à deux balles. J'en sais rien, deux balles. Je veux même pas viser le chevret, juste tirer en l'air. Je vais me faire opérer des hémorroïdes, après le faire. Ah oui, non, mais alors merci, voilà. J'ai pas envie de te toucher à vos champignons de cucu, hein. Bah, rotez-moi à la gueule, je vous dirai rien, vous. Mais vous de êtes... Quoi? Mais vous venez de me roter la gueule. Tout normal. Je suis en train de boire dans ma gourde. Ouais. Bah dis donc, votre gourde fait des sacrés roros, hein, dis donc. Oui, parce que c'est une gourde R.E.P. Vous connaissez? Mais vous arrêtez, mais... Ouloulou. Eh, vous êtes à deux doigts. Je dis bien à deux doigts de l'insuscité. Les deux pizzaïolos, ils sont pas gentils avec moi. Ils m'ont fait plein d'outrages. Alors mettre $1000 d'amende à chacun, vous les voyez. D'accord. Tiens, capitaine. Pardon, est-ce que vous pouvez recontacter Ariette pour savoir où elle en est née, s'il vous plaît? Ariette, ils attendent toujours Ariette. Vous venez pour quoi en fait? On vient poser des questions à Ariette Warrington sur le procédé de la tonton Bola. D'accord. Oui.
parce qu'on voudrait avoir un petit peu, un peu plus de détails sur, oui. Sur comment qu'elle a organisé ça. Parce que s'il n'y a pas non, de huissier... Non, ça via un logiciel. Oui, d'accord, mais est-ce qu'il y a un huissier de... est-ce qu'il y a un huissier de justice? Est-ce que ça a été... voilà, il faut un petit peu... Voilà, c'est pas... on récolte pas de l'argent juste et puis c'est tout. Il y a quand même quelque chose à faire derrière. Et en plus de ça, les gens, ils n'ont pas eu leur gain. Bah, il y a un nombre de lots limités, donc c'est normal que tout le monde n'ait pas la chance de gagner. Regardez, moi, j'ai $15. Non, je vous parle pas des gens qui... Oui, non, merci, prenez-moi pour une crâne. Bien sûr que je sais bien que tout le monde ne gagne pas, mais je vous dis que ceux qui ont gagné, ils n'ont pas tout touché leur gain. On t'attend toujours à l'hôpital, Lariette. D'accord. Donc il faut ou qu'elle fasse une annonce pour donner une date précise, ou sinon elle va avoir des problèmes. Et moi, je veux pas qu'elle ait des problèmes, Ariette. Elle est gentille. Donc là, j'essaie de lui sauver. Elle n'arrive même pas à courir. Elle est un peu conne. Mais oui. Non, elle est. Non, on ne dit pas ça déjà d'un doyen. Elle n'aime pas les vieux, lui. Je vais l'embarquer. Hein. Oui, je pense qu'on n'est pas loin de l'embarcadère, là. C'est pas de la faute, c'est les vieilles. Oui, mais vous allez contre les vieux. Vous aussi, vous allez vieillir. Moi, je dis qu'il y a proscrination à la gégériatrie. Hein. Alors, la procrastination, c'est pas ça, mais. Okay. Ah. Ben, vous avez tout, voilà, hein. Attention, hein. Attention, hein. Que je vous y reprenne pas, hein. Bah quoi, mais c'est pas de ma faute s'il est vieux, qui est vieux, quoi. Oui, mais déjà, on respecte l'ordre et la loi. Nous, okay, on est quoi? Salut, on est l'ordre et la loi. C'est Ariette, ça? Ariette? Bah non, vous êtes pas l'ordre et la Kael. Loi. Salut, Kael, comment tu vas? Vous avez compris ce que je voulais dire, quoi. Si vous êtes la loi, non, mais jamais je me permets. Je t'entends bizarre, je t'entends pas comme d'habitude. Ah oui? Bah, de quoi? T'es trop beau. La loi? Ça te va trop bien. Je veux bien que vous me mettiez les menottes. Ouais, trop bien. Mais pourquoi vous avez fait des bêtises? Tu m'entends bien quand je parle, là? Alors pourquoi vous voulez les menottes? Je sais pas, c'est bizarre. Mais j'adore ça. Attends, tu parles dans une bouteille. Bah, allez dans un allez attends, dans. Attends. Allez dans un non hôtel spécifique à ça. Ou un donjon, je sais pas, mais moi je peux pas vous ça mettre des menottes. En ville pour... J'en sais rien. Sûrement, il doit bien y avoir un truc un peu cringe quelque part qui traîne. Quoi, cringe? Oui, tu m'as parlé cringe. Du pipe show. Ouais, ah bon, oui, il y a le pipe show, peut-être parfait. Le pipe show. Tu vois, ça va mieux. Non, ouais, c'est le petit cachet que j'avais dans le pipi, 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 pipi. Oui, le pipi, ah, le pipi, parfait. Le pipi. Tu sens comment aujourd'hui? Pipi chaud. Bah, en fait, hier, j'avais pas les cachets, du coup, j'ai fait une crise. Oui. Ah, merde. Bon, Ariette, elle fout quoi, là? Il te reste des cachets ou pas? Ariette! Elle est où? Bah, appelez-la, appelez-la. Ariette, viens, s'il te plaît. Tu sais quoi, bah, tu devrais se changer de crise, du coup, que ça fait. Papy, si ouais, vous êtes un patron, si vous êtes là aussi. En fait, il faut que tu m'expliques. Oui, qui vient aussi. Je tremble de partout et ça me fait super mal. Patron, tu sais, t'as vu, il y a quelque chose. Mais je pense, oui, je pense qu'il a un problème avec la gériatrie. T'es encore habitué à vous avez pas peur de la mort, de docteur? Si jamais je fais une crise, je demande à ton temps de filmer comme ça. Vous avez pas peur de la mort? Je sais pas ce que c'est. Ok, ça marche, tu me diras. Il est où ton temps? Il dort, il fait dedans. Souvent, les gens qui aiment pas les vieux, c'est parce qu'ils ont peur de la mort. Et le fait de voir des vieux, ça leur renvoie leur image à la mort. Donc du coup, c'est pour ça que je vous demande. Ah, mais rentre oui, mais vite à l'or et quand un tu jeune, as la maison, tu m'envoies un message. C'est la même chose. Oui. Je peux penser, attends, comme lui, il est jeune et que lui, il aura tout son temps et que moi, je suis plus proche de la mort, et ben, je serai jaloux. Non, mais... Non, mais je sais pas, je te demande, c'est pour ça. C'est une logique assez frauduleuse. Ben oui, mais bon, je sais pas, je te demande. Aïe, écoute. Oh, pardon. Aïe, mais aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me tapes? Et en plus, il tombe dans les pommes derrière. Non, mais ça va. Je l'essaie d'atteindre. Ah, vous l'avez essayé d'atteindre. Oh, du coup, j'y vois plus rien. J'ai plus mes lunettes. Oh. Il est où le papy? Cadet. Merci. Tenez, attendez, je vous donne un bandage. Tu sais, moi. Merci. Tenez, prenez. Merci. J'y vois plus rien. Ben, vous m'avez tapé et puis ben, on vous a fait une pipicure parce qu'on a cru que vous étiez en rarararararagé. Bah non. Vous n'avez pas vu venir celle-là. Hein.
Moi, j'ai pas vu ni la vôtre. Bon, vous dites à Henriette qu'elle est co-convoquée au poste de police quand elle est disponible, elle fait un appel d'urgence et elle demande l'agent tripotin, d'accord? Parce que je vais pas attendre toute la soirée. Hein. Ouais, allez. Mais elle est en chemin, elle est vraiment en chemin. Oui, ben elle est en chemin, ça fait une demi-heure qu'on me dit ça. Moi, j'attends. Je suis pas un clébard. Henriette, elle va partir. Cadet, faut que vous conduisiez. Vous lui dites qu'elle m'appelle. Elle est en situation d'urgence là. D'accord, mais vous lui dites. D'accord. Elle passe au poste. Voilà, mais qu'elle m'appelle moi, qu'elle appelle en urgence pour policière, et elle demande de l'eau l'officier tripotin. On a des questions à lui poser. C'est très 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 important. Oui, Henriette. Allez. Quand t'arrives à l'hôpital, t'appelles la rousse, celle qui menace. Tripotin. Attendez. L'officier tripotin. Oui. C'est bon. Ah non, c'est pas bon. Attendez. Oh, allez-y, montez. Je peux pas conduire, j'ai pas mis les lunettes. Il faut que j'aille chercher ma paire de rechange. Je au poste. Merci pour les follow. Comment ça va? Vous allez bien? Ouh, compliqué. Attends. Doucement. Voilà. C'est plus là. Hein? Ah mince, je ferme, attends. Vous avez dit quoi, Cadet? Ça vous a plu la marche arrière là? Oui, vous avez vécu ça très 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 bien, hein. Franchement, hein. On m'avait dit toujours à l'arrière, du coup, voilà, reparti. Ben bravo, vous avez bien retenu la leçon. Ah mince. Moi aussi j'ai perdu mes lunettes. Ah bah faites donc. Je refasse ma marche. Attendez, deux secondes, hein, j'arrive. On va aller pas trop trouiller. D'accord? Vous pouvez conduire, s'il vous plaît? Ah, je vous ouvre, allez-y. Ah non, attendez. Merci. J'ai cru que j'avais ma mal faire fermer. Ça va, Bacchus? Ça va bien? La forme? Je commence à fatiguer, ça fait un plaisir de te découvrir avec joie, je repasserai une super commune. Merci Jojo. Et bien écoute, tu reviens quand tu veux. tu reviens quand tu veux. Je suis désolée, le temps que je finisse la scène et tout. Du lever de la main. Oh loulou, J'en peux plus. Attends, je vais faire un appel à la radio pour savoir si tout le monde va bien. Oh loulou, demi-tour, demi-tour, vite. La sirène. Tududut. Allez, hop, la sirène. Sur votre tableau de bord, j'ai la sirène. Mais je l'ai mis, la sirène. Mais moi, je n'ai pas la sirène. Aïe, oh là là. Est-ce que les amendes pour les outrages envers le capitaine sont toujours d'actualité sur les... Tout droit. Tout droit, en face, tout droit. Oui, là, je l'ai vu. Il est passé dans le petit cas. Oh là là. Vous vous sentez bien? Bon, on l'a perdu, là. Vous croyez? Je suis pas vraiment sûre, moi. Je crois qu'on l'a perdu déjà depuis 10 minutes. Hein. Conduit comme un cul. Papy, vous conduisez vraiment très 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 bien. Hein. C'est qui a passé à pleine balle dans les quartiers Forum Drive?
C'est nous, sur un arrêt d'une personne. C'était du véhicule. Non. Voiture blanche en fuite. La voiture blanche en fuite. Justement près du quartier que tu as vu. Go gauche. Doucement. Oh putain. Bah voyons. Oh. Ah oui, pas des choses à moitié. Vous sortez du véhicule, s'il vous plaît. Putain. Papy, vous êtes. Vous êtes un. J'ai pas les mots en fait, j'ai plus. Il est où? Ben j'en sais rien. Dans la ville, mais où? Telle est la question. Mon Dieu. Papy, je vais vous retirer le permis, hein. Vous allez faire du vélo, hein. Vous allez faire du contrôle routier en vélo, hein. C'est fini, hein. La voiture, c'est la dernière fois que vous la reprenez, hein. À gauche. Non. On n'a pas le temps, papy. On n'a pas le temps. Yes, pour la course du Venise, le départ aura lieu à l'aéroport et l'arrivée à la fête foraine. Quoi? Il a dit quoi? Alors, c'est à l'aéroport le départ. Est-ce qu'une unité serait disponible pour prendre un des deux points? Oui. Appel d'urgence. Mais on a où? Vous pouvez faire un appel d'urgence, s'il vous plaît? J'ai pas compris. Attendez, ils vont peut-être nous faire un appel. Ah, il est là. Oui, alors attendez, parce que c'est papy qui conduit et on est pas dans la caca. Hein. Vraiment, on est... Ah, on a failli voir, hein, oh, t'abuses. Oh là, ouais, ah, vous bon, avez... On a rien failli du tout, papy. Va voir le Belize, là. Ouais, non. Moi, je veux plus me retrouver toute seule avec lui au volant, hein. Vous m'abandonnez, moi, je vais mourir, hein. Je vais demander à être mutée, hein. Je dépose le cadet, attends. Oui, dépose le cadet, tu viens avec moi et lui, parce que moi je veux plus mourir. Oh, vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui avait rien à voir qui est venu prendre un pizzaïolo pour nous laisser. Il est gentil, mais qu'est-ce qu'il est coucou. Eh ben écoutez, on se retrouve au PDP. D'accord. Papy? Papy? Ouais, bien sûr. Oui, on est sur une mission extra spéciale. Est-ce que tu peux nous réparer? Vas-y. Elle est dans le garage. J'ai un gars qui va trouver, Vas-y, j'ai des véhicules et tout. Ok, ça marche. Non, on verra ça là-bas. En bas aussi. Ouais, il est en train de réparer mon coin. Gaillé à porte-clés. Ouais. Mais papy, t'es fini au pipi, papy. Vas-y, c'est bon, je vais faire un pas. Je t'entends pas, JJ. Viens avec moi. Faut réparer la voiture. Capitaine. Oui. Je suis à deux doigts. Vous pouvez poser ma plaque. Deux doigts. Mais qu'est-ce qui t'arrive encore? Le KKD, papy, Arthur, il a failli me tuer. Quatre fois. Allez, monte dans ma voiture. Viens, on va chercher une voiture de police. C'est ma nouvelle voiture. Ah. Non mais attends, Cadet il est tout seul. Attends, non, je peux pas. Ah, bon bah on prend Cadet alors. Oui. Ah, c'est bon. Oui. Allez, Cadet, je vous attends, Capitaine. Capitaine, j'ai roulé, j'ai failli avoir un bandit. Non, c'est pas vrai. Ça c'est mon mensonge. Ça c'est pas joli. On avait une course poursuite. Tu lui dis que tu conduis. Je lui ai fait confiance. On a bouffé au moins 4 popotos. Tu m'as dit que je conduisais bien, il faut savoir. C'était du sarcasme. Ça n'existe pas quelqu'un qui conduit comme toi. Mais pourquoi il a mal conduit? Mais parce que c'est un vieux. Il faut lui retirer le permis. Moi je dis,
Moi je dis dis, demain, journée vélo. Journée vélo pour papy. Demain, journée vélo. Oui. Il va faire du coup contrôle routier en vélo. Demain, journée vélo, papy. Voilà. La supérieure, voilà. Hein, il va falloir s'entretenir. D'ailleurs, mais pour la peine, il va falloir que tu t'entretiennes, c'est à toi aussi faire du vélo. Ouh, voiture tu resurspectes. Comment qu'il s'appelle l'officier toutou blond? L'officier. Ou le sergent toutou blond, je sais pas si le sergent. Toutou blond, c'est ouais, le. Tu parles de l'unité K9. Le blond didiné, mi-mignon. J'en ai aucune idée. Avec la petite voix de petite pucelle. Non, pas sac à foutre. Lui, c'est celui qui a le mulet. Attendez, on m'appelle. Oui? Oui, officier tout potin, c'est officier Yes. Voilà. Je vous attends. Oui, mais je suis désolée, c'est le capitaine qui conduit du coup. Vous avez dit que vous êtes officier Kiki? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Attendez, refaites. Sterling. Ah, Sterling, j'ai entendu Fayes, je comprenais pas. Yes, oui. D'accord. On en arrive, on est à l'aéroport, on est en train de faire un con-contrôle. Et arrêtez-vous. Et on arrive. Mais je pense qu'il démarre à l'aéroport si vous voulez. Bah attendez, je vous rejoins. Oui, vous voulez que je vous envoie ma proposition? Non, je suis à l'aéroport. Oui, mais on est en dessous, donc on est en dessous de l'aéroport, d'accord? On est au rez-de-chaussée, sous le pompon. Et sinon, je vais attendre à la fin de l'arrivée de la course, qui est la fête foraine. Sinon, je vous envoie ma proposition de l'aéroport. Non, vous embêtez pas, je vais aller à la fin de la course. D'accord, je vous attends. Ouais, assurer la sécurité. Ah oui. Ah, mais il y a une course? Oui, il y a une course qui part de l'aéroport et qui va jusqu'à la fête foraine. Ah, j'avais pas tout compris. C'est la course du Bénis. Ah, d'accord. La course. Ok. On va aider pour la course. Allez, on arrive avec le capitaine. Ok. Ouais. Allez, sinon, essayez de participer avec le capitaine. Oui, moi je vais participer. Capitaine, je vais les niquer. Venez, on y va. Oui, oui, d'accord. Je vous laisse. Bisous. On va les niquer. Moi je conduis trop bien, capitaine. Non, pas les cadets. Ah bah je suis sûr que je vais gagner si capitaine, je participe. Capitaine, moi je peux te la fière fierté de la popopolice, hein. Faites-moi conscience. Oui, voilà, c'est toi qui vas représenter la police. Oui, vite, on y va, let's go. Et on va où? C'est là la course, non? C'est il a dit à la fête foraine. Mais ah non, il a dit à l'aéroport sud, mais t'es con. Ah oui. Non, le départ c'est ici. Oh là là. Ah oui, non, parce qu'en fait, l'officier Ayes, du coup, le blondiné s'appelle Ayes. Du coup, il m'a dit, la fin de la course, c'est... c'est à la fête foraine. Mais c'est quoi le circuit? Je le connais pas, moi, le circuit. Tripotin, arrêtez de chanter à tout le monde l'arrivée de la course, sinon ils vont tous tricher. Regardez, eux, ils vous ont entendu, ils sont partis en courant dans leur voiture. Regardez la voiture rouge derrière dans le rétro. Voilà, regardez. Mais je savais. Mais je. C'est vraiment complètement con. Je savais pas. Allez, le patron, vous voyez le patron dans la foule? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle est con, putain. C'est ça qui va nous représenter, hein, bah bravo. Oh, mais t'as ta gueule, hein. Toi, tu conduis comme un cucu. En plus, elle est en colère. Oui. Au premier virage, je suis sûr qu'elle va se taper. Quoi? Il a dit quoi? Il a dit, je peux le taper? Je peux le capitaine? Non. Enfin, si tu peux, mais pas devant tout le monde. D'accord. Uniquement dans les vestiaires. Cadet, réunion ce soir dans les vestiaires. Voilà. Merci, Ramon. Ça va, Chouchou? Oui, bonjour. J'ai le droit de rigoler. Coucou. Oui. Je voulais savoir, est-ce que vous connaissez par hasard la personne qui organise? Oui, bien sûr, on la connaît, on est venu sécuriser, c'est une personne qui a demandé toutes les autorisations. C'est le patron du Béni. Ah, d'accord. Oh, ouais, si. Ils devraient arriver là, ils sont en train de mettre en place leur véhicule, visiblement. Ah, parfait. Merci, est-ce que vous avez vu Walker? Walker, il est là? Attendez, peut-être que je l'annonce à la radio. Attendez. Il y a une course qui est organisée en départ de l'aéroport. Vous filmez pas là. Autorisée, j'ai donné moi-même tous les accords, j'ai signé les arrêtés avec monsieur le maire. Hein. Alors, je me suis renseigné, pour l'instant j'ai pas trop d'infos. Mais en clair, c'est Harriet Warrington qui a organisé tout ça. Et j'ai pas l'impression que ça soit clair et net, parce qu'il n'y a pas de huissier de justice qui est en compte. Ok,
Tripota va représenter la police. Voilà. Ah, c'est vous pilotez là ? C'est pas Tripota qui a parlé, hein, c'est Aïs qui a parlé. Moi, messieurs. Madame, ça va être vous la conductrice ? Oui, je représente la LSPPD. C'est moi, Tripota. Enchanté. Deux petits conseils. Du coup, j'ai le même véhicule d'origine. Oui, vous êtes de la police, petit conseil, faites attention, elle a pas du tout de frein. Ah merde. Je préviens, elle a vraiment pas de frein. Mettez vos ceintures. Capitaine, je crois que je vais pas conduire en fait. Capitaine, y a pas de frein. Y a pas de frein. Mais s'il y a des freins. Ouais. Madame, vous voulez essayer la mienne, vous allez voir qu'elle a pas de frein. Je veux bien, je veux bien. Attendez, vous avez votre permis. Les véhicules sont fournis de toute façon. Non mais c'est parce que j'ai la même, je voulais la faire essayer à la dame. Je vais juste faire un petit tour et je la ramène, hein, d'accord. Allez-y. Jolie, hein, la voiture. Au prix que ça coûte, j'espère bien. Oui, par contre elle est fermée, je veux pas vous la barrer. Bah oui, mais j'aimerais bien le voler en fait. Je me bouge pas. Vous faites pas de petite course, monsieur le capitaine, avec vos babouches. Allô, attendez, parce que j'ai des petits problèmes de clé en ce moment. Oui, non, mais maman, c'est tout pareil. Hein. C'est parce qu'il y a des mauvaises ondes. Faut pas. C'est à cause de nos téléphones, ça. Oulala. Bah alors. Madame Tripotin, ça va ? Je vais bien. Et vous, vous allez bien, monsieur Tapin ? Faites très attention à ma voiture. Madame Tripotin. Ça va super, mais je m'appelle toujours pas madame. Hein. Toujours pas. Hein. Mademoiselle, alors. Non, je vais vous niquer. C'est bon, tu es là-bas. Ah, tu montes ? Oui, le capitaine m'a dit que tu arrêtes avec vous, même dans la voiture. Attends, je vais tester la voiture. T'as pété la porte ? Non, c'est pas moi qui cassais la voie de culture. Là, elle était déjà cassée. Elle a vraiment pas trop, attends. Oh la vache, tu vas péter, t'es ça, tu vas te foutre dans ma mère. Non, mais attends, j'essaie de tester les freins. Oh, un peu de freins. Ouais, si, un peu, mais pas autant que nos voitures à nous, non. Ouais, non, ça va, ça va. On va refaire un tout tour. Non, ça va, frère. Tripotin, il faut que tu choisisses une voiture, apparemment, il a dit. J'arrive. Ça va, très bien. Qu'est-ce qu'elle fout avec la voiture de l'avocat, elle ? Ben rien, elle me l'a fait tester. Elle est super, je la kiffe. Ouais, je la kiffe aussi, mais elle a pas de frein. Alors, je suis choisie. Ah, bah c'est parfait, ça. Vas-y, fais quoi ? On connaît même pas le circuit, c'est quoi le circuit ? Pourquoi je suis au fond, moi ? Parce que j'ai de la police. Ah bon ? Oh putain! Ah, ça va être magnifique! Oh putain! Ah ouais, il est capitaine! Je vous jure, c'est un régal! Nous, on est la lesbide! On est content d'être ici! Carte pâtie. Parce que je suis de la police, il paraît. Elles arrivent en allée. Je sais pas si c'est normal. Faut pas qu'elles soient devant, il y a que des hommes devant. Est-ce que tout le monde a une voiture ? Alors, voiturier. C'est bon, tout le monde a sa voiture ? Oui. Loulou, je stresse. La Patty, qu'est-ce qu'elle fout par terre, Patty ? Papa Patty, qu'est-ce qu'elle a ? Papa Patty ! Pauvre, faut l'aider. Faut l'aider, la papati, là. Des numéros sur les voitures, ça c'est bien, ça. Regardez que sur toi.
Tobey. Tout de suite. Allez lui dire. On n'entend pas au fond. On n'en entend pas. Votre numéro de voiture. Pas au fond. Premier check. Premier check. Mon numéro de voiture, c'est la 11. Vous inquiétez pas, il arrive votre numéro. Ah, d'accord. Premier checkpoint, parking du casino. Sur le parking. Sur le parking. Au garage. Le garage casino. Casino. À côté du Silver Wolf. Voilà, premier checkpoint. Deuxième checkpoint. Prends l'appel. À la banque de Paletto. La banque de Paletto. Ouais. Vous pouvez me le noter dans le chat. Deuxième checkpoint, la banque de Paletto. Pareil. Premier checkpoint, parking casino. Deuxième checkpoint, ouais. Paletto. Vous pouvez me le noter dans le chat, s'il vous plaît. Ah, la 12. Ah, je suis 12. Et l'arrivée. Il doit crier son numéro de plaque. Voilà. Et l'arrivée se fait à la fête foraine. L'arrivée à la fête foraine. Alors, Paletto, c'est ça. Oui. Le deuxième checkpoint, j'ai pas compris, c'est où ? La banque de Topaletto ? Ah, d'accord. Elle arrivait, bah c'est à la fête foraine. Elle arrivait, c'est à la fête foraine. C'est où la banque de Paletto ? Ah, c'est là. Paletto, c'est là, non ? Tripoté, tu vas t'en rappeler. Paletto, c'est en dessous du lac ? Non, Paletto, c'est en haut à gauche. C'est où le premier ? J'ai pas compris. Casino. Parking casino. Parking casino, ça tu sais y aller au casino. Oui. Parking casino, le deuxième c'est où ? Oui. Paletto, banque. Ouais. Et le troisième ouais, il est où ? Fête foraine. Ah oui, donc en fait faut aller au parking du casino, du parking du casino, faut aller tout en haut à gauche à Paletto. Et de Paletto, mais il faut redescendre par l'autoroute de gauche à la fête foraine. T'as compris ? Et t'as intérêt à gagner sinon t'es viré. Oh non non. Alors je te préviens, Tripotin, si tu ne gagnes pas, c'est lui qui sera ton nouveau pilote attitré jusqu'à la fin de ta vie. Non, 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 capitaine, ça c'est pas coucou par contre. Non, 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 ah, non, je propre proteste. Tripotin, tu vends, tu m'apprendras à conduire mieux. Toi, tu dis. Par contre, dis-moi d'avoir un numéro plus court parce que là, il y a tricherie là. Non, j'ai pas le plein. Écoutez, monsieur, vous avez votre numéro. Non, y'a pas de E, c'est pas possible, y'a pas de E. Là, tout ce que je vois, y'a que numéro à deux chiffres. J'ai 11 millions. Comment je peux avoir un numéro à 11 millions? J'ai pas pensé à l'essence. Et t'as intérêt de gagner, je te préviens, si tu gagnes pas, ça va mal se passer pour toi. Capitaine, tu vas te prendre des coups de matraque dans la gueule si tu gagnes pas. Et s'il y en a un qui veut te faire du mal, tu me donnes son nom, je le buterai moi-même, t'as compris? Surtout les petits races moquettes en costard derrière moi. Non, 3-4, tu vas pas. Capichef, l'essence, t'en penses quoi? Bishop. Pff, alors ça, c'est pas mon problème. Bishop, hein. Y'a trafic là, y'a regarde ma place, y'a pas ma place. Y'a le plein ou pas dans les voitures? Je sais pas. Je suis jamais arrivé. Je suis jamais arrivé. Parce qu'on voulait y aller avec l'ambulance, mais maintenant je l'ai fait. Attends, parce que si je passe. Donc, attention hein. L'essence, prévoyez un petit billet, peut-être il y a un stop and go, un arrêt au stand. Prévoyez l'essence. Attends. Prévoyez l'essence. Vaut mieux que je prenne l'autoroute et après je redescends et je m'arrête à la fête foraine. Il est malin lui, il avait un piton. Ah oui, oh mince, moi j'ai pas de piton. Au cas où on achète 1000$ le bidon d'essence. 1000$ le bidon d'essence. Moi je vous achète un bibidon. Fais vite. 1000$, on achète un bidon. D'essence. Bidon. 1000$. Ouais, a priori.
Vous pensez sus beaucoup? Non. Tiens, ta voiture. Parlez plus fort. Attends. Cugiano. Premier checkpoint. Parking du casino. Garage du casino. Ça va? Deuxième checkpoint. La banque de Paletto. Ok. Ouais, la banque de Paletto dans le nord, la ville de Paletto. Ouais. C'est clair, ouais. Et l'arrivée faite faux. Tu fais attention à ton essence. Et si tu dois mettre de l'essence, bah tu t'arrêtes à la station. C'est bon pour tout le monde? Oui. Casino, les boys. C'est le garage à côté du Silver Bar, là. Mais tu vas me ralentir, toi! Avec ton gros cul! Ouais, au garage. Mais au non garage. C'est bon, tout le monde a compris? Que les choses soient claires. Tu tombes de la voiture, je t'attends pas, hein. Tu crèves. Qu'importe. D'accord. Je suis désolée, mais vas-y. Capitaine, il m'a dit de... Tu montes. Moi, je monte. Non, du coup, Canet, je vais prendre ta place, en fait, à ta voiture. appelle quelqu'un qui vienne avec toi. Eh oui, la triste vie d'être Canet. Capitaine, vous me mettez pas la pression, moi. Oui. Je compte sur vous. Oui, accrochez-vous. Je te préviens. Commence à gratter des places. Commence déjà à gratter des places à droite. À droite, pas sur la colonne de droite, Potin. Je te mets pas la pression, t'inquiète pas, je te mets pas la pression. Vous me mettez le deuxième point après, hein? Premier, hein? C'est le premier, ça. Ouais, l'organisateur, on était censé être les premiers là, c'est quoi ce bordel? L'organisateur, on était censé être les premiers! Allez, bon, les sens, allez, 3, 2, 1, let's go! C'est parti! Mais putain! C'est l'air à quoi? Et c'est pas des autotamponneuses, ces coca-cola! Regarde, même le canet il va plus vite de toi, même le canet, bon. Vous mettez trop la pression, capitaine. Capitaine, avec tout le respect, fermez votre gueule. Nous sommes derniers, non, je ne fermerai pas ma gueule, je suis déçu, j'avais tout misé sur toi. Mais à cause de toi, la police aura une place de dernier. Non, mais attendez, t'es pas fini, capitaine, t'es pas fini, on a pas fini. À cause de toi, c'est pas fini, mais pour l'instant, on gagne pas. Oui, c'est pas bon. Ouais, c'est bien, Tripotin, c'est bien. J'ai pris un raccourci. Mais tourne. Mais je te tourne. Et voilà, au trottoir, le trottoir, c'est qui paye les gens? Ah mais non, c'est pas nous. Non, on peut pas. Regarde la route, reste concentré, Tripotin. Aïe. Heureusement, elles sont solides. Mais on va au parc. On est plus que dernier maintenant. Non, je suis sûr que non. Mais tu es sûr que non, mais moi je suis sûr que je ne vois personne derrière nous. Mais parce qu'on a pris un raccourci. Ils connaissent pas le raccourci. Ah mais t'es sûr qu'ils connaissent pas le raccourci? Oui, ils connaissent pas. Y'a que moi qui connais le raccourci. Vous avez vu, on n'est pas les derniers. Là c'est lui, le 4x4 numéro. Le 4x4 rouge derrière, mais non pas ici, derrière. Mais on m'a dit le parking, on m'a dit le carte. T'es la honte de ce pays, t'as compris? Tu es la 12 Numéro 13, je veux pas dire, mais je suis une chère capitaine avec la voiture de police. Je sais même pas s'ils nous ont entendu, mais c'est pas grave, c'est le 12. Et toi, si tu veux nous pitcher dans le putain de bordel de merde, laisse-nous passer ou je te tire dessus. C'est bon. Ça, je suis fier de toi. Ça, c'est le champion, ça. Ça, c'est un champion. Il faut gagner, tout le monde. Hein. Il faut gagner. Bouge pas, je peux sortir mon flingue pour leur crever les pneus. Ah, putain. Allez, Tais-toi. Rapproche-toi, je leur crever les pneus. Oui. Sortez le gun. Rapproche-toi d'eux. J'ai le gun. C'est bon, je suis en mode chien. Je vais tout niquer. C'est bon, j'ai le gun. Y'a pas beaucoup de monde quand même sur l'autoroute, là. Oui, mais comment on se sert d'un gun?
Mais putain, elle fait une vraie... Aïe. Tu es la honte de ce pays. Tu es la honte de ce pays. Nous devons gagner. Que capitaine, vous m'avez pas mis le point. Quel point? On va où déjà? À la banque de Debeuf, à l'Eletto. À l'Eletto, il faut prendre un raccourci. Je suis déjà à Paléto. Lui, il va niquer sa mamie, hein. Eh, peut pas mettre de point, il y a le tien. Bon, vous me faites le copilote, hein, vous me dites, dites. Copilote, à fond. Copiloté, je suis à fond, À fond. Fond, le bon ballon. À gauche, là, la sortie d'autoroute, prends la sortie à gauche. C'est la droite. Allez, sur le pont. Vas-y, il faut à la gauche, plus vite. Oui, déjà être arrivé. Même le cadet, il était plus rapide que toi, trop tard. Oui. Ouh. Que des unités de police aillent placer des herses sur l'autoroute ouest de la ville, côté de la plage. Allez placer des herses, on doit gagner cette course. Capitaine, je suis sur la bonne route, là. Oui, t'es sur la bonne route. Trop tard, j'ai donné l'ordre d'aller placer des herses. T'es d'accord. Trois voitures au tapis. Non, continue, tout droit. C'est où? Tout droit, là. Fond. Si. Oui. Vous avez compris, il y a quelqu'un qui fait un barrage routier là-bas. Il faut laisser gagner Tripotin. Je vais où? Je vais tout droit. Après à droite. Dites-moi quand, hein. La rue à droite, à droite, quand, à droite. Là, quand. À droite. Non, pas à gauche, à droite. Mais c'est la droite, hein. Tripotin, nous sommes derniers. Non. Nous sommes derniers. Non, c'est... Mais vous me dites à gauche alors que c'est à droite, et puis vous me dites à droite alors que c'est à gauche. Là, ça va être à gauche, au triangle à gauche, maintenant, à gauche. C'est presque bien, Tripotin, c'est presque bien. Oui. Sur la route. Putain de bordel de merde, qu'est-ce que c'est que ce quartier? Plus vite, Tripotin, plus vite. Tripotin. Ouais. Plus vite. Oh, le coyote. Oh là là. Le pauvre coco-coyote. Le pauvre coco-coyote. 30 millions d'amis ou pas? Oui. J'aime pas faire du mal aux animaux. Les animaux sont gentils. T'as failli où tuer là, je l'ai vu. Je te préviens, si tu me tues, j'ai fait un testament qu'il faut te tuer. Non, capitaine, je pourrais pas. Et si jamais tu me tues, je reviens moi-même te péter la gueule. Non, capitaine, ne nous mourrez pas. Tenez bon, capitaine. Et là, il va falloir que tu prennes à gauche. Go gauche. Vous me dites quand, maintenant. Go gauche. Mais tourne plus la voiture, elle tourne plus la voiture. Go gauche. Ouais. Mais vous m'avez fait prendre la pire route quand même, hein. Oui, bien sûr. Je dis rien. Vous devez finir première. Vous aurez configuré votre GPS correctement. Vous seriez gagné. Vous aurez conduit correctement. Vous seriez gagné actuellement. Vous perdez parce que vous êtes arrivé de la police. Non. Je suis forte et je suis tout doué. Je suis forte et je suis tout doué. Moi, je suis l'LSPD. J'ai donné l'ordre à toute la police de mettre des herses pour vous laisser gagner, alors ça va être C'est rien, c'est normal. C'était un effet. Je vois rien, capitaine, je vois rien. À droite, mais il fait aussi noir que dans un cul de castor, capitaine. Mais droite où? Maintenant à droite. Droite. Il y a une biche. Putain, mais Tripotin, y'a un arbre dans un champ, il faut que vous alliez vous manger l'arbre. Vous êtes complètement fatigué. Je suis désolé, capitaine. Il fait nuit noire, j'y vois que dalle. On perd la course. J'y vois rien, capitaine, j'y vois rien. J'ai fait tout le monde. La barrière de R, c'est vite. Ah, il a mis la barrière de R, il faut que t'ailles à droite. C'est bon, ça. Droite, oui, droite. Ça, je sais. Droite. Oui, droite. Droite. Là. Droite. Oui. Accélérer. Et encore une essence, rassurez-moi. Ah. On est pas loin de la fin quand même. Mais ça va, on est encore dans le blanc, on n'est pas dans le rouge. La banque, elle est où, La banque, elle est où? Capitaine, la banque. Tout droit. Prochaine rue à gauche. Maintenant. À droite, vite,
À gauche, Tripotin, à gauche, Tripotin. Faites demi-tour dès que possible. Tout droit, Tripotin. Le 12, le 12, le 12, le 12, le 12, le 12, le 12. Il a pas entendu, il a pas entendu, Tripotin. Non, pour de bon, il a pas entendu. Je sais pas. Tout droit, c'est pas grave, il va trop. J'ai hurlé, capitaine. J'ai hurlé, capitaine. C'est pas marrant, ils sont couchés comme des culs. Qu'on vous a pas entendu. Pardon, pardon. Le barrage de Hertz, il est mis à quel niveau? Parce qu'il faut pas qu'on se le mange. Quel barrage? Oui, mais il est où? Bon, les trois premiers sont déjà arrivés, capitaine. Hein. Oh, merde, non. Les trois premiers sont arrivés. Non, ça va. On est pas mauvais. On est pas mauvais quand même. Retirez on est peut-être pas premier. Je vais vous virer. Je suis arrivé quatrième avec la voiture de police. J'ai trop trop transpiré, que capitaine. J'ai la raie du cul mouillé. Oui, la raie du cul mouillé, mais là, c'est l'intégralité de toutes les forces de police. Non, 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 on n'est pas dernier. On n'est pas des derniers. On n'est pas des derniers. C'était déjà bien. Vous voyez quelqu'un dans votre rétro? Je regarde jamais dans. Oui, bah oui, c'est normal. On regarde toujours droit devant nous, elle a l'esprit dit. Il y a déjà une voiture qui est arrivée. Il a dit combien quoi, la radio, le KKD? J'ai pas entendu. Et qu'est-ce qu'il dit, les KKD? Il y a déjà 11 personnes qui sont arrivées, capitaine. 11 personnes qui sont déjà arrivées. Non, 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 ils savent pas qu'on comptait. Ils savent pas qu'on comptait. Dites-leur, capitaine, ils savent pas qu'on comptait. Non, 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 mais moi je sais, capitaine, moi je sais pourquoi on... Ouais, pourquoi? C'est parce que vous m'avez indiqué un chemin de merde et on n'a plus d'essence. Alors, écoutez, moi, mon rôle, c'est de surveiller que vous conduisez bien. C'est je conduis bien. J'ai plus d'essence. Il n'y a plus d'essence, Tripotin, c'est une blague. Non. Attendez, il y a une station, on prend de l'essence. Oh oui, oh oui, 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 oui. Oh, oh, on a failli mourir, Tripotin. Non, 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 vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, attendez, attendez, attendez. Essence, essence, essence. Je fais le plein, regardez. Oui, oui, allez, fais le plein, paye, oui, paye. Oui, oui, je paye, je paye. Je suis formellement déçu, Tripotin, je veux que tu me ramènes dans mon bureau après. Et je vais aller pleurer toutes les larmes de mon corps en mangeant des donuts. On va quand même à la fête foraine? Ah oui, bien sûr. Ah, d'accord. Il faut que j'aille me humilier. N'inquiétez pas, capitaine. On va pas être dernier. On va pas être dernier, j'en suis certaine. Ah, vous pensez qu'on va pas être dernier? Moi, je pense qu'on va être dernier. Non, vous savez, parce que Céline Dion, elle a dit « Les derniers sont les premiers ». Voilà, on croit tout doux en Céline Dion. Vous avez de la chance que j'ai plein d'officiers, sinon vous serez déjà cadet. Ah ouais, vous irez vous prendre un plein d'un mois de sergent référent d'ailleurs. Je leur ai dit que le numéro 12 était premier. Ah, ça c'est bien. Ah, le cadet, il a compris quelque chose. Oui, c'est parce que sinon il sait qu'il va prendre cher dans les dents. Ah, ça c'est pas mon problème, hein. C'est votre cadet, pas bien. Vous accélérez des fois. J'ai le pied c'est collé à la pédale. C'est où la fête foraine? C'est où? C'est en haut, hein? À droite, tout droit.
Plus vite. Je peux pas. On est dernier à cause de vous. Regardez, on est premier. Ça va les nuls, t'as quelque chose à dire pour ta défense. Alors la policier, il sait pas conduire le policier. Moi j'ai juste un truc à dire. Le capitaine est un copilote parfait, mais qu'on connaît pas bien les routes. Ah, c'est dans votre faute, capitaine. Comment ça, qu'est-ce que tu viens de dire, Tricotin? Je disais que j'étais nul à chier et que je vais être rétrogradé au rayon de cacacadé. Bah non, quand même. Je suis une grosse merde. C'est quelqu'un qui comprend ce que c'est, c'est pas une bonne chose. On est tous avec toi, t'inquiète, allez. L'important c'est de participer. Tu es nul, Tripotin. Oui, je suis un caca. Non, tu n'es pas nul. Je suis un cacamou. Cacamoulox. Mais non, tu es la meilleure. Cacamoulox. Prends une gorgée, tu vas te faire du bien et ouvre la bouche. Vous ne pouvez pas. Allez, viens, Tripotin, ça va aller. Ça arrive, l'important c'est de participer. Mais on va gagner, c'est pas important. Allez là-bas, vous allez là-bas. Non, on ne peut pas y aller. L'important c'est de participer. Ça c'est une phrase de fête. Je voulais déjà vous remercier de la part du Bénis d'avoir participé. C'est une dernière minute et je vous remercie à tous. Voilà. Merci à toi. Je vous prends pas beaucoup de temps, promis. Donc l'arrivée. Dis-moi officiellement l'arrivée et après on discute des checkpoints, s'il te plaît. Alors. Ah putain, j'en peux plus. Officiellement l'arrivée validée comme c'était prévu avec le numéro validé. Non, non, c'était très dur. Dis-moi. Il m'a foutu une impression. Et après on explique. Donc il y a eu la voiture 1 d'arrivée. Ouais. On va dire les 5 premières. Les 13. Le 3, le 3, le 7, le 7, oui. Le 2, le 12 et le 2. Voilà. Ok, ça c'est l'ordre d'arrivée. Ah, ça c'est les premiers. Bravo les mecs. Cependant, bravo à vous. Et puis après, il y a les autres et surtout, il y a le capitaine en dernier. Bon, ensuite. Ça veut dire chais bizarrement. Ensuite, donc, il y avait une règle. La règle était un minima de passer devant le checkpoint et de s'annoncer. La voiture 1, qui a roulé très vite, a malheureusement pas pu s'annoncer. Donc je suis dans l'obligation de lui donner un petit lot de consolation, mais de la disqualifier. C'est pas grave, je sais que j'ai mis une pilule là-dessus. Des choses qui arrivent. C'est toi qui es disqualifié, Tripotin. Est-ce que t'as vu ma plaque, au moins? Est-ce que t'as vu ma plaque? Ouais, j'ai vu ta plaque, t'auras un petit lot de consolation. Parce que là, moi, je te garantis que tous les coureurs, ils étaient légaux. Moi, c'est pas légal du tout. L'arrivée officielle, le troisième. Dis-moi le troisième, s'il te plaît. Le troisième, ça, c'est le 7. Alors le 7, il vient devant moi. Oui, on s'est fait. Petit lot de consolation. Il m'a foutu la pression. Le deuxième, le numéro 3. Le numéro 3, il vient devant moi. Je te préviens, Tripotin, si c'est pas toi qui es première avec le numéro 12, t'es viré. Ouais, c'est vrai, pas toi. Nos stress, les gars. Embarquez le monsieur avec vous. Ce jeune tricheur. Le troisième. C'est que c'était nous, Tata. Il prend 8000 balles. Bravo, mon voisin. Et alors, le numéro 1. Non. Et le numéro 13. Le numéro 13. Ok.
Non, non, vous êtes trop trompé, c'est le D12. Non, non, si, non, vous avez mal entendu. Non, vous avez mal entendu. Numéro 12, on annule. C'est le D12. On annule. C'est le numéro 12. C'est le D12. Je veux un autre. Le D12, le D12. Ah, je rigole, mon pote. Je te préviens. Et le numéro 3. Et alors, numéro 1, c'est le numéro 13. Maintenant, j'appelle les derniers de la course. Alors, je ne sais pas où me positionner. On t'appelle, Tripotin. T'inquiète pas, je t'aurai un petit. Va voir le monsieur Tripotin. Non, mais c'est pas le point. Tripotin, on appelle les derniers. Les derniers. Lâche pas derrière la voiture. Chacun un porte-clés. Tu es la risée de la police. Les derniers. Allez, au milieu. Vous savez très bien qui c'est, les trois derniers. Bon, mon couvre-chef. Allez, le duo dernier, venez. Ah non, 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 c'est pas le duo. Je suis simplement son supérieur. Allez, on applaudit tous les derniers. Bravo, bravo. Bravo, capitaine. Bravo, capitaine. Bravo, cadet Tripotin. Bravo, capitaine, mon dernier. J'ai gagné un 2$. J'ai gagné un 2$, capitaine. J'ai gagné un 2$. Vous voulez? Vous voulez? Bravo, cadet Tripotin. Donne un jour à l'hiver. Non, non, je suis pas cacadé. Les Tripotins, tranquille, ok. Je suis pas cacadé. En tout cas, merci à tous. Voilà, je merci à toi, bonne soirée à tout le monde. Je vous libère, je vous prends pas plus de temps. Merci d'avoir joué le jeu. Et on commande à plus de l'important, c'est de participer. Vous prenez chacun une voiture et tous à l'unicorne. Allez, c'est ouais. Parti. Allez. Tous à l'unicorne. Ouais. Bien là, numéro 1. Vous voulez qu'on conduire que capitaine là, la voiture? Vous l'avez que nous, l'unicorne. Aïe. Parfait. Allez, capitaine, ne voulez pas la voiture. C'est la mienne maintenant, ah. Descendant. On va aller dans la boîte future avec le cadet. Oh, y'a des. Allez, cadet, on y va. Allez. Cette voiture. Je peux pas ouvrir assez tôt, capitaine. Oui, dépêche-toi. Hé, hey, cadet, fais-moi de l'argent. C'est quoi ça? Juste. Allez, capitaine, soyez. Soyez. Ah, soyez sympa. Y'a plus d'essence. Ah bon? Bah, y'a une station pas loin. Y'a une station pas loin. T'as pas eu un truc d'essence? À gauche, si, bah on a mis, on a été obligé de s'arrêter. À gauche, gauche. On a plus d'essence. Poussez-nous. Mais c'est pas possible. Poussez-nous, on a plus d'essence. Poussez-nous, poussez-nous, s'il vous plaît. Poussez-nous. Quoi? Parce qu'on a plus d'essence, capitaine. Poussez-nous. Oh là là, mais vous avez vraiment une bande de cadets qui est. Oh là là. S'il vous plaît, capitaine. Capitaine. Cadet, je vais vous niquer. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est pas vrai. Mais on est mort. Vous pouvez venir nous chercher, s'il vous plaît. Deux agents au sol. Vous pouvez nous envoyer un appel de secours, s'il vous plaît? Oui, on est devant la fête foraine. C'est bon, j'arrive. Je suis à côté, j'arrive. Mettez-vous au sol, mettez-vous au sol. Dépêchez-vous, mettez-vous au sol. Ok, comme vous voulez. Cadet, je vais vous niquer, mettez-vous au sol. Qu'est-ce que vous êtes encore en train de copuler? Non, 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 non! Non, non, non! Il a mis son cul dans mon néné! J'en peux plus! Bon, franchement, il dit qu'il sent le bébé, moi je peux vous dire que les bébés sont mes meilleurs! Hein. Ah oui? Oui! Tu changes souvent des couches? Non! Et comment tu sais que ça sent meilleur alors? Mais parce que le. C'est coconu, le bébé, il sent bonbon, lui, il sent pas bon. Mais ça dépend, si c'est un bébé qui s'est chié dessus, ça sent pas très bon, hein. Oui, purée de Dieu. Et puis surtout les vieux bébés comme lui, ça. C'est quelque chose quand même, hein. Non, mais de toute façon, les vieux, on devrait les tuer à la naissance.
Quentin, il faut quand même. Tu n'as plus le droit de conduire une voiture. Quand tu vas avec ce cadet, ça sera uniquement le cadet qui. Non, 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 capitaine. Non, 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 non. Capitaine, non. Capitaine, dis s'il vous plaît, je vous fais ce que vous voulez, même je vous non. Je te propose autre chose, Tripotin. Tu deviens cadet et lui officier. Ok, d'accord, il conduit. Non mais s'il est officier, oui voilà, il conduit, oui. Vous êtes trop méchant. Pendant combien de temps? Je déciderai du temps. Non, 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 capitaine, donnez-moi un timing. Robert, ton retour en service. S'il vous plaît. Une semaine. D'accord. C'est long quand même. Mais faut pas la licorne. Allez, monte, Roberto Alonso. Ah oui, c'est vrai, non. Allez, moi je vais faire un tour à la licorne et je vais me coucher après. Oui. Go to the unicorne. On va aller voir les poponais. Mais il y a des poneys là-bas, il y a des licornes. Oui. Une jolie petite. Comme vous êtes nul, potin en conduite ici. Je tenais à vous le dire, vous m'avez beaucoup déçu. Non, 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 c'est pas vrai, c'est parce que vous êtes très très mauvais copilote quand même, à s'assumer un peu. Comment ça? Comment ça? Non, mais entre nous, on peut se le dire, mais maintenant, non? Non, je suis un excellent copilote, je vous permets pas. Et sortez-vous, mon chemin. Je crois mon chemin, officier hein. qui m'a intrusé. Moi je dis que entre nous on a le droit de se dire la vérité, vous êtes plus du cul. Allez, je vous laisse aller faire la fête, moi je m'en vais. Bonne nuit. C'est mon copilote de caca. Vous êtes censé aller faire la fête là? Ben non, enfin nous on se surveille pour la fête. Ah parce qu'il y a une fête? Je me suis occupé du vigile, c'est pour la fête. Oh merci beaucoup officier, vous êtes où? Vous êtes où? Là vous venez boire en service. On vient vers le PDP. Vous venez à l'unicorne? C'est l'unicorne, j'arrive. Oui. Où c'est qu'il va, lui? Qu'est-ce que vous faites, cadet papy? Bah, je vous attends. Mais non, mais vous êtes pas votre tuturier. Vous pouvez aller voir la population, aller parler avec les gens. Non, il y a l'officier Ayayayas qui vient. L'officier quoi? Ah yes. C'est quoi ça? Ben c'est blanc de dîner quoi. Il vient. Il a dit il vient. Oh, viens. Oui. Oh, ah yes. Oui. Les gens sont gentils. No. Non, ah yes. No. Non, ah yes, yes, yes. D'accord. Ah yes, yes, yes. Oui, oui. Non, va. Bon, c'est bon. Vous avez passé une bonne soirée, vous? Moi, j'ai une idée. Oui. Moi j'ai mal au ventre, j'ai été plié en deux. On mettrait très pas toutes les voitures en fourrière. Et ta gueule. Ça a vraiment l'air mal stationné, hein. Moi je dis qu'ils sont très mal stationnés. Attendez, je vais demander à l'officier Yas. Oui. De ouf. Mais non, mais je suis en train de les refaire mes autres. Didi, officier, j'ai une idée, mais je sais pas si c'est raisonnable, alors c'est à vous de choisir. Oui. On ne mettrait pas toutes ces voitures de course en fourrière. J'en ai déjà mis deux, trois au fourrière. Pourquoi on a eu les mêmes idées? Ouais, mais moi c'était celle à la marine. Ah, mais moi c'est celle de l'unicorne. Oui. J'attends tes décisions. Capitaine. Bah, le capitaine il est allé se coucher, alors du coup je sais pas. Il avait l'air pressé, je l'ai jamais vu pour aller aussi vite. Je sais pas si ça va être très bien perçu par la population, mais bon, moi je suis plutôt d'accord. Bah, du coup, on le fait quoi, vous? Moi j'ai envie de le faire, hein. Moi j'en pense que comme il est en train de sortir en disant venez tous boire un verre, dans une minute ils sont tous dedans, dans deux minutes il n'y a plus de voiture. Allez, on fait ça. Doucement, discrétion. Ça va être rapide, hein. Oui, on y va? Oui. Deux, trois. Il n'y a personne déjà. Oh. Non, mais il y a du monde. Ah, mince. Où ça? Attendez, on va leur dire de rentrer dans l'unicorne, qu'on les appelle. Mais messieurs, vous êtes deux demandés à l'intérieur de l'unicorne.
Attendez madame, est-ce que vous pouvez... On discute avec le monsieur actuellement. Oui, mais le... On m'a dit que vous deviez tous rentrer dans le unicorn, s'il vous plaît. D'accord. Allez picoler un coucou, les coups sont gras gratuits. La propre essence au Bénise. Aïe. Aïe. Pardon. Je vous ai pas fait mal. Désolé. J'ai pas fait exprès. Bon, allez dans l'unicorn, tout le monde vous attend, nous on se surveille. C'est pas vrai, c'est pas nous. Oui, c'est un cadet qui forme un cadet. Formulaire numéro 6. Dernière phase. Véhicule. Dernière phase. Ah oui, c'est vrai, je ne l'ai pas encore formé là-dessus. Ah, c'est pour ça que vous n'arrivez pas tout à l'heure. Il fallait me le dire, cadet. Cadet Arthur. On n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Moi je dis beau travail d'équipe, hein. Bravo les gars. Ouais, bravo. Vite, on se barre. On s'en va, j'étais en train de le faire. On se retrouve au poste de police. Cadet, allez avec avec vous. Oui. On va demander en flic. Attendez, il y a le cadet qui arrive avec vous. On est machiavélique. Ah, il faut que je change d'écouteur, attendez, je vais... C'est pas ce qu'on a fait. Non, c'est pas moi, c'est vous. À chaque fois que je change d'écouteur, ça me... Vite, parce que je vais plus les entendre pendant un moment. Hop. On change de sortie. Vite. Oh loulou, vous m'avez dit quoi? J'ai pas bien entendu. Ouais, je dis que j'ai rien vu. C'est rien. Moi, je dis quoi? Votre travail d'équipe. Mais par contre, il faudrait peut-être éteindre les feux, non? Ouais, votre travail, oui. Oui. Voilà. C'est à qui la voiture? Parce que j'arrive pas à la fermer. À vous, là, vos voitures, cadet? Non, c'est pas moi. Non, c'est pas la mienne non plus. Je vais la rentrer parce qu'on peut pas la fermer à clé. Oui. Oui. D'habitude. Donc non, ben non. Allez hop, au garage. Au garage, let's go. Oh purée, mon dieu. Allez hop, le véhicule. Ah, il est bien le rentrer le véhicule maintenant. Le développeur, il travaille bien. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien, hein, mais il s'est rendu du compte et puis il a tout modifié. Moi, je dis bravo. Bravo, des développeurs. On se demande qui c'est, hein. Ah, putain, quelle soirée. J'ai bien adoré, j'ai mal au ventre. Ah bon, ben, faut aller faire caca. Non, j'ai trop rigolé. Ah, il est passé où l'officier IES? Il est parti? Il est parti faire pipi, si tu veux le rejoindre. Bah non, je peux pas le rejoindre. Elle va pas lui tenir, hein, non mais oh. Bah non, non, mais... moi je tiens peu personne, hein, pour faire pipi, non, on se tient tout seul. Pour moi que tout seul, c'est largement suffisant. Vous prenez une fin de service, vous? Oh, je ne sais guère.
Vous avez dit quoi là? C'est la guerre? C'est la guerre. Non. Bah, si vous voulez que ce soit la guerre, moi je vais vous taper, hein. C'est comme vous voulez, hein. Oh non, quand même, on va pas se battre, ça serait dommage. Mais c'est vous qui déclarez la guerre, c'est pas moi. Non, je ne sais guère, je sais pas quoi. Mais vous continuez, moi je vais vous taper, hein. Si vous voulez la guerre, moi je vous la donne. Pardon, officier, pardon. D'accord. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va? Ça va? Oui, ça va aussi. Oui. Oui. Attendez, j'ai vous loulou. Ah oui, attendez, vous loulou. J'ai entendu courant. Vous mettez un peu de pression sociale, c'est important de se rappeler que l'on est un être unique et formidable. Je vous aime. Attends, Rain Denis, faudrait que vous me donniez votre numéro. Ah oui, oui, attendez. Parce que vous attendez au commissariat. Je suis peut-être quelque part, il m'entendait pas, il s'appelle. Oui. Ah, malheureusement, je pense savoir qui c'est, ouais, c'est l'officier. Ouais, c'est le grand gagnant, il a gagné. C'est bon qu'il a pas eu. Ah oui, je pense que c'était une arnaque. Bon, vous faites rire le vote, vous l'avez fait? Je sais pas. Mais fait si le mec a gagné la voiture. Ah ouais, c'est bon. Et le mien, le. Ah oui, d'accord, attendez, je vérifie. Ah, félicitations, qu'est-ce que vous faites? Oui. Bah, surtout un porte-clés de la paria du médecin qui a organisé tout ça. Oui, il faut qu'on. D'ailleurs, il faut qu'on enquiquette, hein. Faut qu'on enquiquette fort, hein. Oui, la quiquette, oui, on va faire la quiquette, t'inquiète. Oui, on va enquiquetter parce que moi je dis, Madame Aririette, elle est un peu. Ouloulou, moi je dis ouloulou, hein, quand même. Alors là, 100% d'accord avec toi. Hein, on est d'accord. Je cherche justement à savoir si le gagnant de la voiture, apparemment, il y a quelqu'un qui a été désigné comme gagnant. Est-ce qu'il t'a reçu les clés? Alors, je sais même pas qui c'est. Normalement, il est dans vos locaux, normalement. Bah, a priori, il est là. Ah bon? Alors, c'est pas l'officier Ayas. On est gentil, on vous donne le indice. Non, mais parce que l'officier Ayas, il a gagné. Mais non, mais il a gagné 18 000, Ayas. Ah non, le blanc du dîner, mais il a gagné de l'argent, hein. Il a pas qu'à gagner la voiture, ouais, il a voulu même pas la voiture. Oui, tout à fait. Mais nous, en gros, on a quelqu'un qui nous dit que quelqu'un a gagné le véhicule et que cette personne s'appelle Denis, on a son numéro de téléphone, on l'a appelé, on nous a dit qu'il était retenu comme ça. Ah, attendez, je vais regarder dans les. Peut-être qu'il a interpellé, peut-être qu'il lui a un problème parce qu'il a fait avec cette vitesse, je sais pas. Hein. Si vous nous quittez pour les papiers, je vais regarder en bas. Peut-être que pour les papiers. Attendez, il y a un bug de son. J'ai un bug de son. Je les enlève. La connexion a échoué. Comme une conne, j'ai touché mes écouteurs AirPods. Oh, que c'est casse-couille, des trucs sans fil. Franchement, au début, je pensais que c'était bien, mais. Ok. Ah, il est un peu son. Faire une connexion dans les paramètres de son. Oh, ça me choque quand ça fait ça. Ouvrir le mélangeur de mes paramètres de son. Sur lui, papa, on fait quoi? Oui, mais normalement, c'est bon. Les paramètres Bluetooth. J'arrive pas. Ça me saoule quand ça fait ça. Mais un monre. Capitaine, vous avez secoué un petit peu la vie. Ça va finir sur un casque, hein, moi je vous le dis. Hein. Tant pis. Hop. On va pas se faire chier. Hein. Ah. Voilà.
Ouf, pardon. Vous me disiez quelque chose? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait quoi? Je sais pas moi ce qu'on fait. Oh. Oh, bah, on continue d'enquêter, on va faire. Attendez. Vous êtes allé regarder dans les cellules en bas, s'il y avait quelqu'un? Non, mais il y a quelqu'un dans les bureaux là. Ah, attendez. Chez nous. Eh ? Vous êtes au courant de quelqu'un qui a gagné une voiture ? Non. Je pense que c'est la Bovoca qui a gagné une voiture. Ou peut-être. Ah bon ? J'en sais rien. Ou peut-être le monsieur avec le numéro. Non, attendez, bougez pas. Ah, paquet. Dans plein de pays. C'est compliqué. Il y a en réunion, je peux pas trop les déranger. Ah, c'est pas grave, on l'entend. Bah, vous avez. C'est ça qui est en ligne. Après, ça dépend parce que si les. Non, attention, il y a la bande d'escrocs qui arrive. Ah, bah tiens. Ah, bah tiens, elle est là. Henriette. Fallait que je vous voie. Bah, oui, moi aussi, faut que je vous voie. Ah, mais venez, j'ai des questions à vous poser. Attendez. Oui, mais attendez, faut qu'on se réunisse d'abord. Attendez, il faut qu'on y aille tous là, oui. Attendez, moi je peux pas tous vous prendre en même temps par contre. Ouais, il faut que je prenne. Qui a gagné les sous. Oui, alors il faut que je prenne ceux qui ont organisé la tombola. Qui c'est? Ah bah c'est le patron, c'est le grand patron qui a tout organisé. Mais moi on m'a dit que c'était vous aussi. Ah bah non. Sani, c'est pas possible. Ah non. Moi je gérais la cagnotte. C'était la présentatrice. J'étais la présentatrice et je gérais la cagnotte. D'accord. Donc c'est le grand patron qui a tout organisé. Ah oui, oui. D'accord. Oui. Si vous êtes au courant un petit peu, peut-être vous allez pouvoir me répondre. Les gens, ils ont pas eu leur gain. Ah bon? Ben non, les gens, ils ont pas eu du tout leur gain. Donc du coup, vous êtes appelé à l'escroquerie. Donc moi, j'ai. Comment? Oui. On dit. L'escroquerie. Non, l'escroquerie. Les crocs au curry? Non. C'est dégoûtant, voyons. On peut pas juger. Oui. Ah. Que vous êtes des escrocs. On n'accuse pas sans savoir cadet. Ça, c'est pas bien du tout. Vous êtes. Vous tapez le cucu au cadet. Oui. On vous accuse pas. Mais en gros, c'est ce que les gens disent. Oui. Vous êtes des escrocs. Il y a une rumeur qui dit que c'est une escroquerie. Ah, bah je comprends. Non, mais faut voir ça avec le grand patron. Moi, j'ai. J'ai mené ma barque comme il le fallait. J'ai donné les porte-clés à ceux qui avaient. Oh, vous voulez un porte-clés? Ah, ben oui, dis. Moi, je ne crache jamais sur un caca d'eau, tiens. Merci. Un caca. Ouh, il est beau. Oh, il est trop beau. Ouh, loulou, moi, j'ai un porte-clés. Ah, mais toi aussi. Hop là, voilà. Ça, tout le monde est content. Merci, Henri Riette. Merci beaucoup. Mais du coup, parce que. Il n'y a pas d'escroquerie, enfin. Non mais alors attends, il n'y a pas d'escroquerie. Non mais d'accord, mais du coup, vu qu'il n'y a pas encore les gains qui ont été donnés, il y a des plaintes. C'est pour ça que je vous en parle. Il y a des plaintes? Ah oui. Mais les gens se plaignent parce qu'ils vous ont pas eu... Vous voulez poser des plaintes au commissariat? Moi je leur dis que moi, généralement, des plaintes, je passe l'aspirateur parce que ça prend la poussière. Ah oui, oh. Puis ça fait mal au dos de porter des plaintes, hein. On est c'est d'accord. Vrai, Si jamais il y a des plaintes, je vous leur dis de venir à l'hôpital et on leur donne un pins. Comment? Qui? Je sais pas si un pipin ça va être. C'est pas. Voilà quoi. Eux ils veulent ceux qui. Un penny. Ceux qui a été dit, ça veut dire ceux qu'ils ont gagné. Par exemple, le monsieur qui a gagné 18 000 dollars, je pense pas qu'il va vouloir un pipin. En fait, je sais pas du tout où est le patron. C'est quoi son nom déjà au patron? C'est vrai, c'est une bonne question. Ça, c'est quoi son nom? C'est pas la fesse. Non, la fesse, c'est le jeune, c'est pas lui, c'est le patron. Attendez, on travaille dans son service depuis une semaine, on n'est pas foutu de connaître le nom du patron. Moi je l'ai vu une fois. Mais comment il s'appelle? C'est le vieux con, quoi. Oui, mais j'ai même pas son numéro. Il doit bien avoir un nom de famille, ou un prénom, parce que vieux con... Mais j'en sais rien, moi. Je sais pas, comment qu'on l'appelle? On l'appelle patron, hein. On l'appelle patron. Bon, vous inquiétez pas, je vais mener l'enquête sur le nom du patron et je vous le dirai dès que je le saurai, du coup.
demandez okay. à la fête. Oui, je vais voir. Ah, je vais ah voir. Vous venez me donner mes 18 000 dollars. Non, bah, non, non, ils non. les ont. Qui les a GG. Attendez, moi je vais. Oui, alors, le directeur. Oh, Walker, j'ai des nouvelles. Alors, du coup, c'est le patron qui a tout, tout, tout organisé. Attendez, excusez-moi, parce que j'aime bien être de ce côté. D'accord, très bien. Mettez-vous comme vous voulez. Désolée. Pour la position qui vous arrange. Oui, moi j'aime toutes les positions, mais celle-là c'est ma préférée. Du coup, oui, alors c'est le patron de l'hôpital qui a tout organisé. Henri Riette, elle était juste pré-présentatrice de la tombola. Et ils ont dit que pour eux, ils n'ont pas les gains. Et que c'est le prat. Ah, il y a un braquage de banque. Vous avez besoin de renfort? Oui, on arrive. J'ai un braquage. Vous avez le nom du patron? Non, mais vous allez me le donner. Mais non, je ne l'ai pas, justement, c'est pour ça que je voulais vous demander. Ah, d'accord. Bah écoutez, on va en côté. On partage les informations. On partage les infos. Je suis désolée, il faut que j'aille. Je vais me faire engueuler. Et vous n'oubliez pas. Oui, oui, on y va. Merci, vous aussi. Bisous. On y va, on y va. Quel âge, Géronimo? Aïe, aïe, aïe. Je viens. Attendez. Non, 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 vous ne pouvez pas. Vous pouvez pas, je suis là. Vous bougez pas, je suis là. Allez. Mais tu prends. C'est qu'à foutre, tu conduis bien. T'inquiète, je viens, regarde ça. Mais on prend pas l'officier AIS avec nous? Mais il est où? Ben il était dans les. Officier AIS, vous venez? Bloquez-moi tout. Bon, allez-y. Attends, il faut plus de véhicules. Il arrive. Des barrières et des. J'ai pas les clés. Ici, Aïef. Je veux un cacadé avec moi, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. On a besoin de renfort au braquage de banque. Oui, patron. On est là, on arrive. Officier. Allez, papy, allez, oh. Allez. Je peux pas rentrer. Allez, papy, rentre. Bon. Pourquoi elle était verrouillée? Il a dit que vous avez plus le droit de conduire. Oui, bah écoute, on fait comme on peut quand on peut. Hein. Là, c'est compliqué, ok? Tu vas pas râler en plus de ça, mon petit vieux, là. Aïe. Ça t'apprendra. On sort jamais d'une voiture tant qu'elle est pas à l'arrêt. Oui. Vous auriez pas un peu d'eau sur vous? Si, bien sûr, attendez, bougez pas. S'il vous plaît. Et un petit peu à manger aussi. Vous voulez un peu d'argent aussi, tant qu'on y est? Oui, merci. Un petit 100 balles aussi, oui, si vous avez. Attendez, bougez pas. Non, je rigole, là. Voilà. Bah, non, juste non, mais je rigolais, oh. Non, non, mais c'est pour l'essence de tout à l'heure. Bon, alors, ouais. Attention, mettez-vous derrière le véhicule. Vous avez votre tataser? Cible en vue. C'est bon, quoi. Oui, t'arrives. J'ai mon non-arme en main au cacao. Officier quand même. Cadet, la prochaine fois que vous me visez avec votre taser, je vous en colle une. Je vous vise pas, qu'est-ce que vous me racontez? Si, je vous ai vu, vous m'avez visé. On vise jamais non, avec une arme. Je sais pas si fou que ça, non. Vous mettez plus à gauche, Bobby, c'est mieux. Voilà, parfait. Merci. La caméra, on peut mettre un peu à gauche. Katé, vous restez derrière la voiture là. Qu'est-ce que vous faites?
Il y a une petite ruelle là-bas, on peut les avoir. Non, vous restez derrière la voiture, vous voulez crever, vous voulez être viré ou quoi là? Mais n'importe quoi, hein, j'ai fait l'armée, n'oubliez pas. Mais je m'en fous que vous ayez fait l'armée, c'est pas les LSPD, il y a des règles, il faut les respecter. Oh d'accord. Protégez-vous là, derrière la voiture, on sait jamais. Et videz avec votre taser. Voilà. Mon taser n'ira jamais jusqu'à là-bas. Non, mais en attendant, vous visez. Besoin d'informations, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez des verres au cul, caca cadet? Ah, c'est pour le follow the bibis. Bah oui, je vous demande si vous avez des verres au cul, vous arrêtez pas de bouger. Bah oui, parce que ça me démange. Ça me démange d'y aller et de leur bouffer la tronche. Ah oui, ça je comprends. Je croyais que ça vous démangeait parce que vous aviez des verres au cul. Ah non, j'ai pas de verres au cul, je bois là tous les jours, je vous ai dit. Et je suis soigné aussi. Oui. Bah oui, à mon âge, on a le toucher rectal, la prostate, on a tout ça, donc on est. Je suis contente de savoir que on vous met des dedans dans le cucu, mais c'est pas le moment de discuter de ça. Qui va vous déranger? Oh oui, c'est moi. Il y a beaucoup d'otages de retenue. Pour l'instant, on n'a pas toutes les informations. On n'a rien à vous dire, les journalistes. Peut-on avoir le nombre d'otages, s'il vous plaît? Circulez là, messieurs, circulez, allez! On est en train de négocier. Ah, ouais, tiens bien. Pour l'instant, le négociateur est en train de discuter avec les malfrats. Parfait, merci. Je vous en prie. Vous allez voir, la photo est super, mademoiselle. Merci, merci beaucoup. Faites attention, mettez-vous derrière votre camion. Ils sont fous ces journalistes, hein, José. Oui. Ah ben, c'est des journalistes de terrain quand même, hein. Oui, mais ils ont pas de gilet pare-balles. Oui, bon ça, je suis d'accord, mais bon, après ça, on peut pas tout faire. Ah, j'avais pas vu Sirius, bonne nuit, excuse-moi, je suis chaud. Je contacte l'ambulance. La prochaine étape, c'est dès qu'ils sortent, je vais voir avec eux parce qu'ils nous présenteront les otages et. C'est toi qui devrais. Ils ont deux otages. Deux otages, otages de la maison des jeunes des quartiers. D'accord. Ah, ouais, ici, c'est bien. Parfait, là. Si jamais j'ai le numéro de Monsieur Bonfils. À toutes les unités sur notre côté, ne roulez pas là où il y a des barrières de notre cross. Vous avez des herbes qui sont placées à cet endroit-là, passez uniquement dans le trou au niveau gauche. C'est où qu'on doit pas passer? C'est où qu'elle est la herbe? Cadet. Là-bas, d'accord. Donc nous, on part de l'autre côté. Ouais. Vous sentez de conduire ou je conduis sincèrement? Oh,
Ah bah, moi je peux conduire, hein. Ouais, enfin, si vous me la refaites comme tout à l'heure, j'ai un peu peur quand même. Mais non, vous inquiétez pas, je ferai attention. Je sais pas si je dois vous croire, en fait. Je peux rouler comme un pépère si vous voulez. Non, 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 bah non, bah non, non. Vous voulez que je vous aide, oui, au fificier? Ouais, il faudrait déplacer les vos véhicules parce que là il risque de prendre la herse qui est juste là et crever les pneus. Quelle herse? Celle qui est de l'autre côté? Là, celle que vous voyez pas là. Là, ah là, oui, là, ah non, là. Bah, oulala, oui, 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 pardon, doudou. Ouloulou, ouloulou. Reculez, ouais. Attention à vous, attention à vous. Oui, oui, oui. Attention à la sécurité. On va les laisser passer, comme ça ils sont contents, mais ils vont être bloqués là-bas. Est-ce que... Ah oui, non, bah voilà, niquez notre travail, on vous dira rien. Il n'y a plus de respect, hein. Attention que c'est je... C'est votre véhicule de manière à être vers le départ. Oui, oui, bah oui. Non, 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 non. Attendez. Laissez-nous pas passer, s'il vous plaît. Ne bloquez pas les allées. Ne bloquez pas les routes. Vous voulez pas que je vous laisse passer? Si, si, je veux. Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, Henriette, bon. Vous pouvez bouger l'autre voiture. Vous allez gêner la... Je bouge cette voiture. Non, 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 pas celle-là, Henriette. Pas ouais, celle-là. L'autre. Henriette, Henriette. C'est pour vous, hein, c'est pour pas que vous vous fassiez embarquer. Aïe. Aïe. Pas grave, pas grave. Du coup, je suis là, moi. Oui, alors, je vous explique. Il y a une prise de d'otages. Deux otages. Deux jeunes. Ah, c'est pas possible. Si, deux jeunes dans un foyer. Ils ont peur pour leur psychologie. Je vais faire l'appel en radio et je vais demander si vous pouvez vous avancer. N'y allez surtout pas si on vous dit pas d'y aller, d'accord? Ah oui. Parce que vous risquez votre vie quand même. Hein. Mais j'ai pas besoin d'une pelle. Les maîtres de sang sont là. Est-ce qu'ils peuvent approcher? Ah, mais j'avais une pelle dans mon camionnette. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Après, qu'ils se prennent vraiment pour n'importe quoi. Ça va pas. Je répète, les maîtres de dessin sont là. Est-ce qu'ils peuvent approcher? Aïe! Ah. Allez. Madame Potin, mais qu'est-ce que vous... Bah, vous pourrez porter plainte contre un fantôme. Oui, oui, oui. Ils sont fou. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as soigné, merci. Oh putain, mais casse-toi. Ah, faut tout faire soi-même, hein. C'est pas possible. Voilà, maintenant c'est j'ai plus bon là, genre. Non, ben non, cacadet. Non, pas là. Oui. Tapez-le. Venez, madame. Mais ça va mieux, ma petite. Oui, ça va beaucoup mieux. Oh, mais c'est parce qu'il est jeune, il débute. Ça vous fera 1800 dollars. Ah bon? Oui, j'ai augmenté les prix. Ben, c'est un peu plus cher, vous êtes tier 3. Là. Je plaisante. Ça sera 50 dollars. Ça te fait pas mal. Oui, je le donne en cash. Donnez-moi en cash. C'est les travaux publics. Vous l'avez donné? Voilà. Ah, merci beaucoup, ma petite. C'est de rien. Fais attention à toi. Hein. Promis. Merci. Merci pour tout. Ah, bah, il y a une herse. Oui, oui, bah oui, justement, on a mis une herse. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Pour les copains. Venez, les copains. Venez, les copains. Vous restez sur le bas-côté de la route pour pas vous faire mal, s'il vous plaît. On va bien avec des ambulances. D'accord. Merci. Oui. J'emmène quelqu'un. Oui. On va rester en famille. Merci, Bad Bulls. Merci, excuse-moi pour le flou. Oh merde, excusez-moi. Ah. Je suis désolé, j'ai voulu c'est ma couche de secours. C'est sa dose, c'est sa dose quotidienne. C'est la deuxième aujourd'hui. Hein. Je suis désolé, j'ai pas fait exprès. Vous pouvez répéter radio, s'il vous plaît, j'ai rien entendu. Je l'écoutais pendant 10 minutes, il me cassait des pieds. Ah. Du coup, les maîtres de dessin, ils peuvent venir? Ben non, il faut patienter encore un petit peu. J'attends sa validation. Hein. J'ai pas envie qu'il tue des otages. Oui, oui, bien sûr. D'accord.
tout va bien, Cadet? Ouais, ça va, nickel, merci. Oui. Ils ont patience. Oui, il faut rester pas patient, c'est pas forcément évident. Il est passé où, officier AIS? Je l'ai pas vu depuis qu'il a déplacé mon véhicule dans une position adéquate en cas de départ des malfrats. Oui. Mais patience, je me concentre. J'ai fait un ou deux regards un peu bressons, histoire de gonfler le torse comme un coq fier et fort. Comme quoi? Comme quoi? Un coq fier et fort. Ah bah si vous avez envie de faire le poupoulet, c'est votre truc à vous, hein. Je vous laisse tranquille. Il est passé où mon cacadé? Ah, il est là. Ça va? Ça va, cacadé? Vous allez bien? Mais vous arrêtez de foutre des trucs en béton tout partout! Je vois bien que vous aimez faire mumumuse quand même, mais bon. J'ai pas vu que les gens vont casser notre bagnole! Oui, mais bon! Cadet! Quand même! Mais arrêtez de me le foutre dans les pieds! Ah, je vais vous enterrer avec, hein! Cadet! Je vous demande de te poser correctement, une bonne fois pour toutes, cette barrière en béton! Ah, vous êtes pire que les petits vieux des médecins, hein! Oh, regardez, le médecin, il se plante directement sur le truc! Non, mais c'est honteux! Oui. C'est un peu long quand même, là, fou, doudou! Ah! J'ai entendu votre petit rire, hein! Oui! Loulou, loulou! On va enlever les barrières là parce que ça sert à rien. Oui, mais ça incite les six citoyens à passer par là du coup. Je peux pas retirer les barrières. Non, je vais le faire, vous inquiétez pas. Non, laisse les barrières. Non, les barrières, elles ont six citoyens. Dites-moi, c'est possible de regarder quelle entreprise serait encore ouverte pour avoir de la nourriture pour ces messieurs, s'il vous plaît. Je m'en occupe, chef. Quelques trucs sur moi si besoin. Ouais, j'ai des sandwichs et j'ai de l'eau et j'ai du schnapps. Oh. Du coup, c'est vous l'officier supérieur. Aïe! Ah, j'ai du limoncello sur moi. Ah, purée. Qui a besoin de soin là? Moi, mais tout petit peu. Un tout petit bobo. Tout petit bobo. C'est vous l'officier supérieur alors? Bon, enfin moi je suis officier numéro 1, mais c'est parce que c'est comme vous ça. Vous mettez mais... la tête entre les deux seins. Mais il a pas mis sa tête entre les deux seins, il écoutait mon cœur parce que j'ai de la tension à cause de tes conneries. Ah bon? Tiens, je te soigne deux fois. Il sera jaloux. Ils ne veulent pas de sandwich, ils veulent un petit vieux d'une entreprise. Ils veulent quoi comme bouffe? Tu veux vous voulez pas leur proposer une balle entre les deux yeux sinon? Des rips? Ah, vous avez. Non, parce qu'ils ont des otages, j'ai pas envie de. Ils veulent pas une pizza? Eh, mais vous inquiétez pas. J'ai une pizza. C'est vrai? Oui, je vous apporte une pizza. Ben voilà, vous êtes excellente. Merci beaucoup. Attendez, je vous en donne 3. Ok. Voilà, comme ça il y en a pour tout le monde. Roscoe ne veut absolument pas qu'il faisait des pizzas, il veut pas donner ses pizzas. Moi j'ai donné 3 pizzas. Il en a donné 3. Oui. Ok, merci beaucoup. De rien, sergent. Bah, elles sont passées où les barrières? Elle est passée où notre voiture? Non, en fait, il y a 3.
Et encore, ouais, je vois. Putain, mais les vieux font des expériences. Il faut que tu retires les barrières bleues que vous avez mis là. Alors, moi, je vois aucune barrière, c'est un peu le problème. Ah, ok, bon, y'a pas de soucis. Merci. Pour se protéger des ennemis d'esprit. Il y en a pas ici. Ah, bon, oh, putain, bah, ça m'assure, je me sens mieux. Les vieux. C'est dur, hein, loulou. C'est quoi qui est dur? Ma bibi. Ma bibi. Vous avez dit quoi? J'ai du mal à comprendre. Rien de du tout, je disais le bébéton, c'est dur. De remettre des barrières de chaque côté, c'est une histoire de négociation. Okay. Ah non mais c'est bon, il y a des herses, c'est bon, parfait. Oui, on a mis une herse. Ma femme me disait la même chose. Okay, ah bon? C'est dur comme du béton. Ah bah... Il y avait tout, j'ai appris à ses dépenses qu'il y avait des herses. Oui, j'ai une herse. Il y a une herse. J'ai oublié de vous dire, il y a une herse. Mais putain. Non mais c'est pas grave, moi maintenant vous le savez. Non mais c'est bien. C'est une saloperie, je vais te désigniter. Au moins maintenant vous savez qu'il y a une herse, c'est bien, c'est une bonne chose. Même les braqueurs le savent du coup. Ah oui ça, bah, du coup là maintenant c'est foutu pour l'effet de surprise. Warren, qu'est-ce que tu as branlé? Ouh loulou, on se calme, y a pas besoin pas de s'énerver. Oui, c'est pas moi. J'ai rien fait moi. Eh, hey, je vous promets, hein, je vais vous envoyer dans un centre de gériatrie et vous allez y passer des vacances salées, cadet. On va jouer à la balade. Mais c'est des vacances sans retour, quoi, tu vois, c'est un aller simple, quoi, si tu me manges gériatrie, quoi. Généralement, il rentre entre 4 planches de bois. Il rentre avec le caca aussi, effectivement. Oui, ça aussi, si. Merde, du coup, sais, le truc qui se passe, t'as le bras... Le braquage. Ouais, le braquage, effectivement, ouais, c'est bientôt fini ou quoi? Parce que les voitures qui sont devant, elles appartiennent à mes copains, quoi. Ah du ben... coup, ils sont bien emmerdés parce qu'on leur a volé les bagnoles pour faire la petite connerie, quoi. Ah ben oui, ça c'est con. Mais non. Je peux pas vous dire, hein, ils donnent pas forcément de temps. On n'a pas de timeline. D'accord, et vous pouvez pas juste récupérer les voitures, quoi. Ah ben non, on veut pas mettre en péril la vie de nos citoyens juste pour de bagnoles. Ouais, bah après, sinon, moi, tu sais, j'ai plus rien à perdre, hein, donc... Non, monsieur, je vous demanderai de rester sur le papa côté et de vouloir bien patienter, s'il vous plaît, je veux pas que vous ayez de problèmes. On a déjà suffisamment de pain, de beurre sur le pain, de tartines. Ah, top, putain, j'en démarre. Merde. On peut pas. Non, vous avez crevé là, vous pouvez plus bouger. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Ah, Henriette, Henriette, vous lâchez ça. C'est pas Henriette. J'aimerais bien. C'est pas Henriette. Mais c'est ce que je dis, c'est Henriette. Lâchez ça, Henriette. Non, lâchez ça. Henriette. C'est pas Henriette. On n'a pas de Henriette. Arrête. Non, ça suffit. Merci Ragnar. Allez, Henriette, viens là, arrête de t'énerver, viens. Oui, calmez-vous. Je suis un petit peu emporté, je reconnais, je suis désolée. Viens là, tête de pioche. Vous n'êtes pas en arrivé là, mais bon, quand même. Oui, attends. Qu'on appelle le pénis. Vous pouvez répéter à radio? Pardon, c'est comme ça qu'on... Ils ont dit quoi en radio? Genre, j'ai rien entendu. Les ambulances des pads, là, ils parlent de choses bizarres quand même. Oui. Moi, je pose la question, c'est ils ont dit quoi en radio, pas les EHPAD. J'en ai rien à foutre des vieux. La radio. Vous avez dit quoi en radio? Sarah est sauveur. Roger.
Papaki, papaki. Bon, bonjour. Est-ce que vous voulez dire quelque chose en direct de la chaîne LSPD Reportage sur InstaKick? Vous êtes actuellement oui. en live. Oui, bon, bonjour, bon, bonjour. Alors déjà, bonjour. Nous, on est très 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 heureux de faire partie de cette fifine équipe. Et sur ce braquage, du coup, on attend que tout le monde fasse son travail. Et il faut dire que tous les sergents le font c'est super bien. Vous venez de voir en direct une suce professionnelle sur la FPS. Pouvez-vous enlever les airs, s'il vous plaît? Et vous? Ah, ah. Raccroche. Et les barrières. On enlève les airs. Airs dégagés. Bon, pourquoi on enlève les airs? Qu'est-ce qu'il fout le cadet là-bas? Pourquoi c'est pas possible? Hey, le cadet, pourquoi t'es si près? Cadet, tu veux bien reculer là, faire le coq-coq? Je vais t'en cocoler une dans la gueule, hein, de faire le coq aussi près. Mais non, mais vous l'avez entendu? Il a dit qu'on pouvait se rapprocher. Ah non, je vais tout interdire. Mais oui, il l'a dit, comme ça on les entend discuter, et puis au moins j'apprends. Mais après, officier, si vous voulez que je recule, je recule. Hein. Non, excusez-moi, j'avais pas compris en fait, c'est tout. Moi, qu'est-ce que vous voulez? L'agent se rapproche pour récupérer l'autre. Ah non, vous n'êtes pas con. Ah non, alors là, je me permets pas. Vous êtes une des meilleures officières. Merci. Vous pouvez vous rapprocher en fait, allez, on a le droit. Mini, Bobby, c'est bon, pas. Oui, je dois faire quoi? Pardon. Viens chercher l'otage et amène-le au médecin. Très bien. Allez, venez, monsieur. Bon, bonjour. Tranquille. Bonjour. Bonjour. Allez, récupère l'otage. Allez, viens voir le médecin. Qui l'otage? Dépêchez-vous là. Allez. C'est plus le moment, faut y aller. Allez, papa, bouge. Allez. Allez, viens, je te donne une sucette. Non, viens. Tu vas voir. Attention. Ils ont été gentils. Oui. Oui, c'était des cliniques. D'accord, allez viens, tu vas voir. Je des cliniques. Alors le monsieur, il a joué avec les Lucky Luke du braquage. Et je pense qu'il a peut-être besoin qu'on inspecte son étape psychologique. Et si vous voulez bien lui donner une petite sucette, ça serait sympa. Moi, je crois qu'il va pas fort, là. Il est en pyjama avec des tongs. Oui, je vous laisse tirer du lit. Vous allez voir, elle va vous faire de la musique à Ririette. Elle est très 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 douée pour faire du tam-tam. Mais pourquoi vous parlez comme ça? Je pas parle normalement, moi. Didi, j'ai pas de... Je vais te lire un verset de la Bible. Oui. Ah ben voilà, elle va vous lire un verset de la Bible. Je te laisse en... C'est un bouquin qui est un peu relou, mais... Mais tu verras, il raconte plein d'histoires complètement pas par jour. Personnel. Alors. Voilà, d'accord. Allez. D'accord. Merci. L'otage a été pris en service par les deux EMS. Oh, le vieux. Un vieux qui tripote tes filles, hein. Non mais... Attends, je vous dis qu'on soit bien d'accord. Aucun tir doit être effectué. D'accord. Sans mon ordre. Je sens mon ordre ou pas? Regarde la petite nana en jupe. Non. Ok. Non. Si vous avez un prétexte, sauf si vous dites. Permission de débit direct ou. Ah, mais il est taré, Roscoe. Reçu. C'est un serveur whitelist, Ragnar, excuse-moi. Oui, c'est un serveur de la whitelist, 18 ans. Engage vers caca. Oui, bah vous allez attendre. 18 ans minimum. Après, fais gaffe, il faut que tu ailles ici avant de t'endormir. Du RP, qui se pousse avec le cul, qui gratte, vraiment qu'on mette en avant le jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la méta de G-Life, LSC, tout ça. Sur des serveurs sur lesquels j'ai joué et que j'aime bien jouer, tu vois, c'est pas le problème. Hein. C'est juste qu'eux, ils veulent vraiment enlever toute cette méta qui s'est installée. Et du coup, bah, c'est plus. Faut que tu le vois vraiment comme du jeu de rôle. C'est-à-dire essayer au maximum de favoriser des scènes. Il n'y a pas de J-Doc, tu vois, chez les flics par exemple, il n'y a pas de J-Doc chez les médecins. Il y a très peu d'armes sur le serveur parce que bah, justement, ils veulent favoriser le dialogue plutôt que des gunfights. Il n'y a quasiment pas de convoi. Enfin, voilà. La LSPD, c'est, tu vois, on est tous drôles, on a tous on a un peu de barjot, mais en même temps, on essaie quand même de faire le boulot correctement. Et c'est ce qu'ils attendent des joueurs sur ce serveur.
Mais n'hésite pas à faire point d'exclamation qu'est-ce que kick justement sur le chat. Et t'auras accès à leur Discord. Comme ça, au moins, tu pourras déjà. Là, c'est le moment de prendre les distances. Oui. Parce qu'ils vont. J'ai pas entendu ce qu'ils ont dit à la radio. J'ai un peu de mal. Dis quoi ? Récupérer Sergent. Ah oui, alors, remontez dans les véhicules. Tenez-vous prêts à partir. Ok. Voilà. Cadet, vous venez ? Venez, allez, à la pop. Cadet ! Je pars sans vous, hein. Ah, oh, désolé, je suis employeur des fois. Oui, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Tout va bien Oui, on se prépare pour intercepter les malfrats. Ah bah oui, oui. Ah oui, il va peut-être falloir qu'on prépare la caméra. Je devrais pas conduire. Oh, mais qu'est-ce qui se passe Non, cadet. Et du coup, c'est comment vous avez l'identité des personnes? Ça se passe comment? Alors, de ce que le petit jeune il a dit, c'est des Lucky Luke. C'est la seule identité que j'ai. Lucky Luke, c'est très mature ça. D'accord. Voilà. Bon bah, bon courage alors. Oui. Vous m'avez dit quoi, Arquette? Bah, c'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Bah, c'est Kiki, c'est Tetris Popotin. Et ce qui se passe, c'est que nous, on va intercepter les méchants là. Donc du coup, moi, je suis sur le. Vous voyez, je suis sur les Tatars, Titin Block. Ah oui, d'accord, mais non, mais je demandais pas qui vous étiez, enfin, je vous connais. Ah, pardon. Alors, pourquoi c'est qui? Bah, les braqueurs, c'est qui? Ah, je sais pas, moi, on m'a rien dit, on m'a juste le petit. C'est qui veulent? Bah, je sais pas non plus, ils voulaient des pizzas, de base. Ah, ils voulaient. Ah, bah, si ça tient qu'à ça, alors. Oui, mais je. Ah, on y va, désolé. Allez, bon vent. Merci. Non, allez-y. On me rattrape. À gauche, à droite, on droite, à droite, roule plus vite. Voilà, on les a perdus. Bah non, on les a pas perdus, je roule plus vite, direction l'hôpital. T'as vu quelque chose? Aïe. T'as perdu la voiture orange? Bah non, j'ai pas perdu la voiture orange. Je t'ai demandé de me donner une direction, ils y étaient pas. On passe dans le parking souterrain. On passe dans un autre parking souterrain, parking rouge. Parking rouge, c'est lequel ça? Direction nord, c'est custom. Tu me mets des points, s'il te plaît, à chaque fois qu'ils donnent une info? Allô, cadet? Il a pris à droite tout ce qui est boutique de vêtements. Ah, boutique de vêtements. Oh, faut que. On vers le nord. Nord. Eh ben nord, ok. Il redescend vers le sud et il nous voit des chantiers. Chantier. Ah, ok, chantier. De l'autre côté, ça. Chantier, il est par là. Oui. On est au niveau de Renfort Plaza. Ok. Près du gouvernement. Hein? On passe devant le gouvernement. C'est le gouvernement ici. C'est tout droit. Allez, sans direction sud vers Little Seoul. Little Seoul, ok, on y est. On fait du Weasel News. On y est. Oh putain, mais moi je connais pas tous ces noms. Hein. Bah, il va falloir que vous. On passe devant le Weasel News. Ah, à gauche. Prends à droite, direction quartier chinois. Oh, t'as vu, j'ai réussi. Oui, c'est bien, continue, cadet, continue. Toujours quartier chinois. Ah bah là, on les suit, c'est pas la façon. Oh, putain. C'est énorme. Tu l'as fait. Merde. Droite. Oui, j'ai vu. Weasel News. À gauche, là, tout brûle, là, tout brûle. Je peux pas, j'ai pas pu. À gauche, j'ai vu. Là. Non, à gauche, ils sont partis. Ah, pardon, papa, cri, pas de zèche, j'ai pas rien. Rien dit. Oh putain, aïe. On a été intercepté, on ne peut plus bouger. Vous allez bien?
je vais faire mon rapport au capitaine, on va rigoler encore. Ah bah si tu fais un rapport sur moi, je te bute, hein. Non mais oh, tu vas faire un rapport sur ton non-officiel, t'oserais. Oh, tu rigoles. Oui, je sais. Dernière position connue, s'il vous plaît. Mais non, non, la voiture elle est morte, tu peux pas conduire là, faut appeler le Bénise, sois pas con. Mais elle est pas morte, on peut toujours monter. Monte, si, c'est... attendez. Viens, si, hop, allez. Je sais pas où ils sont. Hein. Votre voiture aussi, elle est un peu bougonnée. Oui. Oh purée! J'ai pas compris, il y en avait un qui était derrière eux et il les a perdus. Ben, je sais pas du tout. Moi, il y avait la voiture orange. J'en ai percuté un de nous. Oui. Oui, ça c'était pas moi. C'était Lolo de voiture. Mais il y avait la voiture orange et nous, la voiture orange, ils sont tech, hein! Je l'ai vu 2 secondes et puis elle a disparu. Je sais pas où elle est passée, hein! Ouais. J'ai une voiture, pourquoi? Ah, tu veux dire voiture... Ouais, c'est bon. Non, rien. On va essayer dans le parc. Il y a des officiers en panne ou en accident actuellement? Deux voitures sur. Très bien, on peut faire une alerte. Quoi, il a dit? J'entends rien à la radio. Une alerte. Ah. Un appel. Pour dire où on est? Ouais. Ouais, mais faudrait peut-être qu'on arrête de bouger parce que du coup, c'était la voiture du cadet qui est tout seul d'ailleurs dans la voiture. Je vais me faire tutuer, moi. Il est toujours là? Ah oui, bien sûr. Moi, je pensais qu'il est montré. Il faudrait qu'il fasse l'appel, lui, le cadet, non? Cadet, faites l'appel pour la voiture, s'il vous plaît. Oui, faites un appel d'urgence, s'il vous plaît. Non mais... On est des pilotes de merde, moi, perso, je sais que je suis une pilote de merde. Mais des fois, je roule très bien. Mais là... Je vous jure. Allez, à droite. Roberto pour Gardia. Mais transmettez. Ouais, Roberto. Mais moi je conduis bien, hein, des fois. Que des fois. Vous avez regardé la bonne circulation. J'ai pas eu le temps, père. Merde. Bravo en tout cas. Allez-y, montez, cadet. Quelle soirée? Ben oui, oui. Et qu'est-ce qu'il dit? Oui, on laisse la voiture ici, oui. On peut pas laisser la voiture ici. Non, mais attendez, moi j'appelle le bébé Nice et on la met la fourrure. Bien sûr, non, c'est juste qu'on s'est regroupé. Oui. Ça me sert l'engarçon, le bébé. Officier, je mets votre voiture à la foufouillère. C'est un truc, c'est qu'ils t'ont eu. Non, on va plus le Bénisse, non? Comme voiture à la pute portière. Laquelle d'autre voiture? Laquelle? Celle-là, la pute portière à l'arrière. Oui, non, mais de toute façon, on va tous s'arrêter. Oui, bah là, pour moi, je vous avoue, ça va être une fin de service. Je suis désolé. Pourquoi t'es désolé? J'ai appelé le... J'ai fait dans la voiture. Vous avez fait dans la voiture? Vous êtes chiché dessus? Si,
Oh putain, il s'est chié dessus, le vioc. Didi, il s'est chié dessus, moi je veux pas de ça. Mais non, deux doigts de les avoir. Eh ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. À deux reprises, à deux reprises. Mais non, je vous ai crié dessus, je suis désolé. Ah non, c'est pas grave, c'est l'habitude. Attendez, attendez, mettez-vous sur le côté. Je voulais que vous réussissiez. Oui, bah oui. Les copains, parce que le capitaine vous a remonté, alors je voulais que... Voilà. Non, mais j'ai compris, vous inquiétez pas. La prochaine fois, ce sera la bonne. Tous les agents de la 2 minutes, là, ici, juste ici, on va faire un petit point... Rien, ça arrive, d'accord. Oui. Bon. Qui avait un copilote avec lui pour la course poursuite? Moi. Oula, c'est quoi ça? J'avais la cacadée, Arthur. C'est ouais. Ça, tu sais quoi, alors, ce qui est important quand vous avez un copilote, vous voyez, pendant le début de la course poursuite, il y a Roscoe qui vous a donné toutes les informations en temps réel, ok? Oui. On a perdu le véhicule, bon, c'est pas grave. Mais les personnes qui sont derrière, c'est important que le copilote continue à donner des informations en temps réel, parce que vous êtes les seuls à pouvoir nous dire où ils sont réellement. Quand on demande à la radio où est-ce qu'ils sont, où est le dernier emplacement, on ne demande pas à ce que les personnes qui conduisent nous disent l'emplacement, mais au moins que les personnes qui sont copilotes puissent nous donner des informations, c'est important. Après, c'est pas grave, on a perdu, la prochaine fois on les aura. On n'a pas tout perdu parce qu'on a la plaque d'immatriculation. T'es d'accord. Alors, en tout cas, je suis très fier de vous. Sachez-le, on fait une bonne équipe. On a essayé, ils ont réussi à s'évader, on a réussi à avoir une information. Bravo aussi à ceux qui ont couru partout pour mettre les airs, etc. etc. C'est très bien. Il y a juste au niveau des communications, mais ça va être au fur et à mesure, on va s'habituer. D'accord. Donc, ouais. Oui. Oui, sergent. La prochaine fois, on les aura. Oui. La prochaine fois, on va tous les niquer. Ah là, j'étais vraiment deux fois, deux reprises à deux doigts de les avoir. Bon, en tout cas, la voiture qu'on a suivie. L'immatriculation AMG769 est une Sultan classique qui appartient au propriétaire de monsieur Jean-Pascal Beuchig. Alors, vous avez l'information? Oui, alors attendez, j'ai peut-être une information qui va vous intéresser, hein, c'est que c'est des voitures volées. Alors, oui. Ça, c'est un certain Denis qui est venu vous voir à tous les coups pour vous dire que c'est la voiture de ses copains qui a été volée. Oui, oui. C'est ce qu'il a dit, oui. On a arrêté juste avant pour l'instant. Merci les gars. Merci à vous. Merci de pouvoir rentrer. C'est étonnant les gars. Pour l'instant, écoutez, on va faire un point à la LSPD. Bientôt je serai votre coéquipier. On va au poste. On se donne rendez-vous à la LSPD quand on fait le point et comme ça on essaie de prendre. Oui. On essaie d'avoir le maximum d'informations qu'on peut avoir entre nous. Et comme ça, si demain ou après-demain on arrive à leur tomber dessus, on le fait. Oui. Allez, tout en voiture. Tout en voiture. Oui. On vous remercie. Ah non, bah non, bah non. Non, non, bah... Ouais, ok. Oui, oui. On va faire comme ça. Oh, bah... Pas vraiment le choix, du coup, je fais, hein. J'ai bien compris. Moi. Ah, c'est bébête, hein, parce qu'on était pas loin, hein. On était vraiment pas loin, hein. Deux fois, je les ai frôlés à contresens. Moi, je dirais rien. Attends, ça veut dire quoi, ça, papy? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, parce que moi, j'en ai des choses à te dire, hein. Si tu veux aller sur ces terrains-là, je peux te... J'ai regardé, hein, tout de suite, là. Oui, hein, parce que je te vois venir avec tes réflexions, ça, sarcacacaca, esthétique. Hein, le coco-pilote de mon cul. Vous énervez, pas. Mais je l'aime bien, il sait que c'est... J'ai rien dit, pourquoi... Pour aller pour un drive. Pour Rome Drive. Ah. Ils les ont retrouvés. Oui. Alors hop, s'il vous plaît, on me met les points. Je peux prends... Merci pour le dernier point, il vaut du Unicorn. Ok, Unicorn. À gauche. Je gère la communication radio. Oui. Ils sont... Vous pouvez me donner quel est le véhicule, le soldat Je suis peut-être noir. C'était pas celle-là? Non, on a pris orange, 4 portes. Non, noir, orange, c'est... Ah noir, oui, je vois, je vois la quelle c'est. Mais du coup, ils sont où, là? Je sais pas. Faites autre information. Position, s'il vous plaît. Vue première si fois, enfin, sur la belle vitesse, Unicorn. À gauche! À gauche, okay. Unicorn, mais direction sud. À partir de là, on a perdu sa trace. Là, gauche, non? C'est pas eux, non?
deux voitures. Elles sont peut-être rentrées là-dedans, on va dire ouais. Ah. Vous pensez que quelqu'un se cache? Oui. Oui. Vous voulez que je retourne sur le truc? Non. Non, ils sont allés vers le sud, faut aller vers le sud. D'accord. La droite à gauche. Ah non, tout droit. Je sais plus, je suis perdu. J'en ai pas. Oh, Fifissier, donnez-moi une des directions, pas qu'à 40, hein, parce que moi je vais payer. On fait que courir après les bichons, les attrapent jamais. T'inquiète pas, t'es pas un pont. On va, oui. On va fouiller tous les quartiers, oui. Oui. Faut pas faire le plein? Non, 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 ça va. Ok, ok, ok. Tourne à droite, tourne à droite. Oui. Tourne à gauche. Putain, mais oui, mais dites-le avant. Ouais, c'est vrai, ça, quand même. Oui, pardon, excusez-moi, officier. Tripotin! Tripotin, à droite. Il y a un homme tout seul, lui. Non. On ne sait rien. Enlevez les papous. Aïe. Oula la la la. Désolé. Oui, mais il y a toujours un petit coin dans un oui. Angle. Oui, oui. Un coin dans un angle, oui, oui. Oui. C'est fou ça. Oui. Attends, ralentis. Retourne en arrière. C'est vrai que tu roules un peu vite quand même. On n'a pas le temps de voir les vêtements. Ah oui, pardon. Bah, désolé, moi je suis en mode. Va dans le parking à gauche. Gauche. Ouais, voilà. À gauche et après tu vas à droite. Dans le parking, oui, là. Oui, oui, je sais pas. Oui. Vas-y, je serais là, ça serait fantastique. Oui. Allez, Tripotin, allez. Oui. Oh bah, je crois que c'est mort. Non, non, il y a encore un étage. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle. Il y a des nouvelles. On fouille les parkings, on fouille tout. Ah putain, chier. Non, passez pas par là. Hein. J'allais vous poser la question, mais bon. J'avais envie d'y aller, hein, quand même, l'air de rien. Je me suis dit pourquoi pas. Oh, je suis plus assez prêt pour ce soir. Fin de soirée, fin de devis, fin de service. Oui, voilà. On fait toutou en fin. C'est la fin de toutou. Ah, j'ai une nez qui gratte. Ah, j'ai. Non. Oui, mais j'ai une nez qui gratte. Grattez-moi le nez. Oui, attendez, attends, oui, il y a encore de... en dessous, on n'a pas été en dessous. Ah, oui, mais désolé. Je vraiment, je voulais... Oui, ben moi aussi, je pense qu'à un moment, on va vérifier pour faire plaisir à Papa Pile. Ben nous, on est derrière pour vous gratter le nez, c'est un peu compliqué quand même. Oui, hein. Bah après, vous pouvez vous avancer et tirer le doigt, hein. Oui, oh, oui, oh là là. Oui, on pourra pas vous gratter le nez, hein, tant pis. Dommage, c'est pas tard, dommage. Tout dommage. J'ai jamais passé par là. Bah moi non plus, hein, je vis visite. Je comprends pourquoi. Aïe. Oh la vache. Ouais, là, y'a pas de coin, hein. Ah oui, mince. Putain. Ah, j'ai des balasses, ça, ou quoi? Oh la vache. Oh bah, ça va, hein. Oh, je fais au mieux. Y'a des rétroviseurs, quand même. Oui, mais mes lunettes, elles sont un peu embubuées à cause de l'excitation. Attendez, je vous les enlève, je vais vous les nettoyer. Merci. Oh, vous pouvez m'enlever les lunettes, mais vous pouvez pas me gratter le nez. Ah bah dis donc, vous êtes pas sympa. Je vous gratterai le nez après. Oh bah c'est trop tard là maintenant. Gratte plus. Voilà, vous lavez vos lunettes. Merci. Ah oui, on y voit beaucoup mieux là quand même. Tout de suite. Hey. Quoi? J'ai vu sur le parking, il y a des gens au chapeau. Y'a quoi? Oui. Mais c'est normal qu'il y ait des gens sur le chapeau. Ah bon? Ben, y a des gens, ils ont le droit de porter des chapeaux. Non, j'aurais pu, on retourne au PPDP? Attends. Ok, d'accord, là, c'est pas ça du tout.
essayer de tourner et d'arriver à choper un Hummer camouflage. Hummer camouflage, ok. Oui. Ok. Parce qu'il était en pleine plastique. Ouais, c'était longtemps, quelques années. Désolé, je disais pas parce que j'étais à fond dans le... J'étais à fond dans, la dernière, dans la conduite. Dernière information, mais... On le trouvera, moi je connais. Bah ouais, ça va être un peu compliqué, hein. À mon avis, il est pas... Ah, attendez, c'est quoi là-bas? Non, c'est un camion, ça. Ouais. C'est vachement précis. À mon avis, Hummer camouflage... Moi, je sais pas, hein, mais mon intuition, elle me dit nord. Oui. Nord ou... Ouais, ou pêche, la pêcherie, ouais. Ouais. Alors, c'est pas contre vous, hein, mais moi, j'aimerais bien prendre ma fin de service, ça fait 50 minutes que j'aimerais la prendre. Moi, je veux aussi, je vous avoue que moi aussi, ouais. Moi, faut que j'aille au petit coin. Oui, mais toi, tu t'es déjà chié dessus, ouais. On le sait, hein. Ouais. Bah, pas ça du tout. Empeste. Si. T'as fait un pépé foireux, hein. On le sait, ça pue plus le caca. Mais n'importe quoi. Tu me le fais papa à moi, hein. Moi je suis un chien de nifleur. C'est quoi c'est... Non, putain, non. Oh putain. Non c'est pas un... C'est... Non. Non, c'est... Vous avez ça, bien humeur. Je vous appelle... Non, mais je vois okay. le meurtre. Qu'est-ce qu'il dit? Ils ont le véhicule. Vous l'avez intercepté. Ah, c'est pas le flou. Pas besoin de renfort. Oui. J'ai mal aux fesses. Y'a besoin de renfort. C'est quoi ça, oui. Pas besoin de renfort, oui. Aïe. Oh merde. Mais je veux dormir. Bah, allez, dodo. Tourne. Oui, attendez. Oui, c'est bon. Excusez-moi. Oh, loulou. Je vais rentrer chez moi. Mais moi aussi, je veux te dormir. Laissez-moi aller me coucoucher. Loulou. Je fais des heures sup là, hein. Vous allez me les payer si cher, hein. Il y a plus d'argent dans le compte en banque, en plus on est même payé. Ah bon, Depuis la prise d'otage, on est plus payé. Oh putain, on a plus d'essence. Plus. Plus. Attendez, y'a pas une statation là? Y'a une statation là? En face? Non. Oui, là, oui. En face, ils sont en face. J'ai ce qu'il faut, vous inquiétez pas. D'accord. Descendez. Attendez, au moins on avance pour faire genre on a de l'essence jusque là, hein. Il y a de l'essence. Voilà. J'ai vu comment vous avez roulé. Yes, d'accord. D'accord, très bien, mais LSPPPD, bonsoir. Ah oui, bah bonsoir, rebonsoir, c'est Monsieur McCarthy du Wizzlewood. Oui. Et je me permettais de vous appeler, savoir la course poursuite que ça avait donné, voilà. Ben, malheureusement, les malfrats, ils ont réussi à prendre la fuite malgré une course poursuite très 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 serrée. Oui. Ça a été très très compliqué car les six citoyens, malheureusement avec les gyrophares, ils ont un peu paniqué et du coup, ben, on a fini par les perdre. Bon, d'accord, non, bah, très bien. Bah, merci pour l'information dans ces cas-là. Bah, avec grand plaisir. Bon courage à vous pour l'article. Non. Oui, merci. Bonne soirée. Merci. Parce que mécanicien. Non, mais là, il faut carrément appeler. Il faut carrément appeler les Venises. Hein. Oui. Le véhicule dans cette ville. Oui, mais la porte, il n'y a pas de porte, monsieur. C'est dangereux. Le terme n'est pas brûlant, ça vous parle. Ragnar, je t'interdis de te moquer. T'es pas gentil. Vous avez vu l'arrière? Yes, c'est là mon arrière, monsieur. Oui, non, par contre, l'arrière. Il a quoi l'arrière qui dit? Peu avant gauche. Quoi? Oui, maman. Maman, vous voulez qu'on appelle Kiki? On doit appeler quoi? Kiki? Caca? Non. Écoutez, de toute façon, on va appeler le bénisse puisque vous ne reprenez pas la route. C'est pour Saint-Jean. On a appelé les garagistes, on remorque le véhicule. Yeah, allô, allô. On part aussi vite. Du coup, pour une petite de voiture. Le bénisse aussi, il est
Tu fais quoi, Cadet? Cadet? On vous cherchait en fait. Je vous suggère si vous voulez procéder vous à l'amendement parce que c'est pas la première fois que je l'attrape, c'est la deuxième. Vas-y, Cadet. Ok. C'est qu'un vieux de ton véhicule. Fallait lui donner un gros sac d'amande, tu vois, il va pleurer. C'est dangereux pour vous et pour les autres. Pour les autres, oui. Ah, regardez, il y a des caps qui dépassent hein, de la portière. Là. Non, mais là, de toute façon, j'attends qu'il reste. Vite répété, amende. Vite. Bon, monsieur, c'est bon. Non, mais pourquoi t'es... Monsieur, je vais vous demander de raccrocher là. Oui, juste que vous... Un peu de respect pour la police, non, s'il vous plaît. Vous mettez l'amende. Bah, tu sais quoi, tu lui augmentes son taux d'amende. Non, je dois raccrocher parce que sinon. Tu insubordination à un agent de police, tu lui doubles son amende. Moi qui voulais vous faire des tâches préférentielles, les policiers pour la. On s'en fiche des trucs. Le respect, ça vaut mieux que toutes les viandes de la terre. Je vous demande simplement d'être cordial avec vous. Simplement pour aller dans le respect. C'est une menace. Attendez. Ben j'ai bien fait la proposition. Oui, dites-moi tout. C'est une menace. Moi ça m'intéresse. Non, c'est pas du tout une menace. Ok, très bien, monsieur. Mais bah non, par parce contre, que là, au lieu de la doubler, je peux mettre un zéro. Hein. D'accord, parce qu'en aucun cas on a levé la voix et en aucun cas on a menacé. Bon, votre collègue qui dit ouais, tu lui raccroches ton téléphone, je ne sais mais pas. Oui, quoi, bah, mais oui, vous manquez de respect. En fait, on n'est pas au bavard. On n'est pas en train de boire un verre entre copains. Il faut un petit peu ouvrir les yeux là. Excusez-moi, vous m'avez demandé quoi par hasard? Vous appelez un monsieur du pénis pour le dépannage? Non, pas du tout. Je fais quoi? Pas du tout, et en plus de ça, là, devant vous, j'ai demandé à mes agents de le faire. Mais c'est pas entendu, moi je suis juste à oui, moi. Oui, de d'accord. Faire. Non, mais par contre, qu'on soit bien d'accord. Du moment où vous êtes en interpellation avec un agent de police, un officier de police, du moment où il vous a pas donné autorisation, vous appelez personne. Ah, je vous jure. Ah bon? Bah, ben, ça va être la arrestation, peut-être. Bien sûr, ben, si. Mais bah, non, c'est pas une question de ça, monsieur. C'est une question que, du moment où vous êtes en contrôle, vous n'avez pas lieu d'appeler. Pour quelle raison? Parce que c'est pas qui veut gagner des millions, tu fais pas appel à un ami. Gère, tu peux reculer avec ton mulet, s'il te plaît, t'es un petit peu trop collé. Je me sens oppressé. Bon, outrage à l'agent. Mais on continue, hein, ils veulent pas qu'on comprenne, hein. Mais si, mais nous, je veux comprendre. Non, non, vous cherchez les poupous, donc on va vous en donner, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ah bah non, je demande simplement... Non, vous demandez pas simplement, monsieur, vous nous manquez de respect depuis tout à l'heure, donc au bout d'un moment, faut pas s'étonner, hein. Qui sème le vent récolte la tempête, hein. Depuis tout à l'heure, je parle dans le respect, je vous ai pas manqué de respect à aucune... Monsieur, oui, monsieur, je vous écoute. Vous menacez en disant que ça va mal se passer, ou je sais pas quoi. D'accord, je dis ça simplement dans le cadre légal. Bah non, c'est des menaces, c'est pas illégal de faire des menaces à un agent de police. Mais non, ça va mal se passer dans le sens où il y a des... Vous dites juste parce que mon collègue il est au téléphone, vous dites que tu veux lui mettre beaucoup plus d'amende. Oui, parce qu'il y a un subordination à un agent de police en fait. Ça fait 100 fois qu'on vous dit de raccrocher. Au bout d'un moment, faut arrêter de nous prendre pour des pépichons. C'est pas contre vous, mais au bout d'un moment, faut comprendre un petit peu qu'on est là pour vous, hein. C'est pas contre vous, c'est pour vous, c'est pour vous éduquer. D'accord. Mais voilà, et ben, bon, les éduquer, peut-être pas, c'est peut-être un mot trop fort. Oui, bah, ça, c'est le mot, éduquer veut dire apprendre aux gens. Oui, je sais très bien, je sais très bien, mais tu sais très bien que les gens ne comprennent pas tout, de la même façon que nous, on comprend. Aussi. Yeah, t'as de l'argent. Aussi, Diano, je te jure, je suis à bout, là. Bon. Je suis à bout de nerfs, je suis à bout de tout. Mes yeux, j'ai mal aux yeux, frère. Je veux les fermer. Ah ouais. Vas-y, tiens. Castez-vous. Pour pas que vous me disiez que c'est de la corruption. Que vous en êtes capable. Oui, mais si vous voulez, monsieur, vous pensez ce que vous voulez. En tout cas, nous, c'est très bien. On respecte la loi et on la fait respecter. C'est bon, t'as reçu. Du moment où ils ont payé. Oui, je vous poserai la question après, c'est avant, parce que là... Officier,
Ouais, je stream, regarde, fais, je vais te le faire, tu vois, point d'exclamation horaire. Excuse-moi, chouchou, je te réponds. Oui, pardon. Oui, pardon, Cadet, excusez-moi, oui. Un peu fatigué. Oui, non, on va rentrer. Cadet, James. Je vous entends plus, là, faut parler. Non, là, je vous entends vraiment. Venez. Oui, moi aussi, je veux aller me coucoucher, ok. Moi aussi, je veux te dormir. Tout le monde veut te dormir, là. Ça marche pas? Merde, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Bon, en clair, attends, on se pose des liens. Pourquoi ça marche pas? Vous pouvez les mécanos derrière ou pas? Pourquoi ça marche pas? What the fuck? D'horaire, oui, bon. Bref, du mercredi au dimanche. De 20h à minuit. Et il n'y a que le dimanche où je stream à partir de 18h. Je sais pas. Attends, laisse-moi regarder deux secondes. Je vais regarder mes. Je regarde mes commandes et je te dis ce qui se passe. Oui, elles sont. H-O-R-A-I-R-E-S. Je sais pas, j'ai mon bot qui. Je vous invite à leur envoyer un petit message directement. Ouais, parce que je suis en train de refaire le planning. On est en train de le refaire avec ma modo. On est en train de le faire beaucoup plus lisible. Mais par contre, tu peux regarder directement sur ma page Twitch. Tu sais, il y a les programmes. Bonne soirée. S'il vous plaît, emmenez-moi dans mon lit, doudouillé. Il est parti dormir, mais tout le monde dort, sauf nous. Y'a que nous. Youpi. On va aller te dormir. On va aller te dormir. Ouh, loulou, quelle soirée quand même. Oh loulou. Ah oui, comme vous dites. Comme vous dites. Deux jours comme ça, j'en peux plus. Voilà. Merci, c'est trop cool, Ragnar, merci. Oui, c'est compliqué, hein. Là, fou. Il y a des soirées. Vaudrait très mieux qu'on reste à la cucueille, hein. Ouais, c'est clair. Moi, je vais aller aider Mimi Ray, hein. Oh. Oh oui, non, bah... C'est Kiki, ça. C'est Kiki, c'est ça. Je sais pas qui c'est. Ah, bah non, c'est... C'est les collègues. Putain, mais nous, décidément, on arrive à reconnaître plus personne, hein. Je savais pas qu'on avait des voitures. Dormir. Oui, nous on a sommé pour de bon. Yes. Allez. Enda. Tout, on y va. Tout. Vous avez vu la message de la banque? Votre entreprise n'a pas assez d'argent pour vous payer. Ah, ça fait un moment, ça. On s'en occupe. On va se plaindre. Je vais appeler le syndicat. Non, on n'est pas là. Bonne nuit. On va braquer le banque. On a besoin de vous, là. Non. Bravo à toute l'équipe, en tout cas. Merci, fin de service pour Bobby Tripotin, à de demain. Fin de service pour James Sordu, le papy fou. Bonne nuit, papy, à de demain. Oui, bonne nuit à toi, oui.